à tous et bienvenue dans Meurs pas sans ton pif, une émission ce soir consacrée au CEO, le dernier road to Evo aux États-Unis juste avant l'Evo. La semaine prochaine, qui eh bien va regrouper les meilleurs joueurs du monde et aussi pas mal de joueurs français. Pour parler de ça en fin d'émission, je suis justement avec Nate. Bonjour, Nate. Il paraît que tu as fait donc la liste de tous les joueurs qui sont là bientôt. Oui, tu vas nous en parler. Ouais, puis pas de problème. Ouais. Je vous dirai tout sur les Français qui sont là-bas et même tous les top players qui sont là-bas et dans quel pool ils sont et à quel moment il y a le crash quoi. Le crash! On reviendra aussi sur les événements qui se sont passés lors de The Independence Day. On a refait le film aux États-Unis aujourd'hui sur Marvel vs Capcom. En attendant, je vais vous dire la vérité. Hein, sincèrement, je reviens de la Japan Expo. Heureusement que cette émission n'est pas en odorama parce que je schlingue. C'est un truc de malade mental. Cela et dit, malgré que je sois complètement crevé, eh bien, j'ai gardé le zéro de vital et toutes mes barres pour vous commenter ce CEO avec des vidéos jusqu'à ne plus quoi savoir en faire et surtout jusqu'à mettre Memory Card en retard. Et ça, vous savez, je sais le faire. Magneto Nico, première vidéo, on attaque directement, première demi-finale. Générique de Memory Card. Hein, tu me la feras pas, tu me la feras pas, ne me piqueront pas mon plateau. Justin Wong face à Iji Momomomochi. Yes. Les vrais, ils sont là. Justin Wong Momochi, qui sont actuellement au Japon. Puisqu'il y a la Topanga Charity Cup eh bien, dans deux jours qui va donc se passer. En attendant, eh bien, ils s'affrontent en demi-finale. Winner bracket, Justin Wong en forme. Aux États-Unis actuellement, puisqu'on ne voit plus Ricky Ortiz dans les finales. Il s'effondre beaucoup plus vite que Wong. Voilà. Donc l'année dernière, on se demandait si Ricky était plus fort que Wong. Bah, maintenant, c'est sûr, Wong, il est vraiment devant actuellement. Et aux États-Unis, on voit donc apparaître Wong, PR Rogue, Wolf Crown, de plus en plus dans les phases finales. Krigy, on le note, on ne peut absolument pas l'oublier. L'homme qui... Eh bien, pleure sur ses victoires et pleure sur ses défaites. Pleure sur ses victoires et ses défaites, sachant que il a gagné déjà Marvel là. Hein. On est d'accord. Il a gagné Marvel à ce CEO. Il est bien. Il a gagné Injustice à ce CEO. C'est marrant. J'ai eu l'impression d'avoir déjà fait une émission où je disais ça. Toutes les deux semaines, il y a Krigy qui gagne tous les tournois du monde. Voilà, c'est un peu comme ça. Et là, Momochi pour son premier déplacement depuis longtemps. Et comme vous pouvez le voir, il joue Ken, et il est bien en ça, mode non-counter-pick mode. Hein, ouais, ouais. Mais ça, c'est une info importante. À deux semaines de l'Evo, tu gardes Ken tout le temps. C'est-à-dire que son Cody, on ne va pas le voir à l'Evo. Donc les fans de Cody, ils vont s'ennuyer. Quoi. Ouais, les fans de Cody. De Ken, ils vont kiffer. Il y a Emovie et Momochi, c'est du caviar. Quoi. Bah, c'est pas grave. Il y a Rock, Knife 66 qui joue Cody, qui est très très fort. Qui est très très bon. Et t'as Dark Jiwa aussi qui a joué au CEO. Un Ken chinois, le meilleur Ken chinois, qui est aussi assez impressionnant. Attention aux joueurs chinois. Tu l'as peut-être pas lancé dans cette vidéo. Dans ton pool de vidéos, mais il faut faire gaffe. Hein. J'en ai déjà parlé des joueurs chinois, mais c'est des joueurs auxquels il va falloir faire très attention, n'est-ce pas, Shaohai? Shaohai, évidemment, qui lui aussi veut sa vengeance. Et Justin Wong, qui, bien après avoir gagné le premier round, eh bien, concède le second avec toutes ses barres. Momochi qui doit gérer le match-up Rufus, que j'ai l'habitude d'affronter, hein, Cookie, les Inko, les Jasper et tout autre Chuck Norris, puisqu'il y a un joueur qui s'appelle Chuck Norris au Japon. Et ça, c'est stylé. On ne peut pas faire mieux qu'un joueur qui s'appelle Chuck Norris, à mon avis, au Japon. Et on voit Momochi faire extrêmement attention à ce qu'il fait, parce qu'il voit que Justin Wong eh bien, semble avoir une belle connaissance à la fois du match-up, mais aussi une belle gestion de la distance avec Rufus, et surtout tous ses barres. Oh, focus d'achèvement dans le bas gros point, juste pour faire arc-dang-dang sur cette balayette. Pour pas le dragon, et il aurait dû, hein, mais finalement, il n'y a pas quand même combo. Pro maléfique, ex-messia au milieu du 2-1, pour remettre encore petit coup de pression. Heureusement, ce backdash n'a pas été rattrapé par la dive kick, mais quand même en petite difficulté, toute petite, un peu petit zizi, difficulté. Non, oh, backdash, il fait pas petit point backdash, hein, avec son Exasumaki qui empêche justement le snake du refus de Justin Wong avec égalité de côté. On n'a pas réussi à la choper. Et qu'est-ce qui n'est pas passé loin, ce gros pied. Il a tellement failli se faire choper par ça.
Un petit décalage Tenlai Punch pour mettre Bademka juste derrière. L'avantage repris par Momochi à 30 secondes de la fin à présent pour encore une fois le combat aérien gagné. Il y a Exatsumaki qui pour sortir. Non mais Fernand quand même. Il réussit à mettre balayette en whiff punish de ce Exatsumaki. Je sais pas si exactement c'est ce que vous voulez faire. Ouh. Ou par contre les standing jam anti instantaire dive kick. Tu décolles pas mec, tu restes non, là. Non, toi s'il te plaît, ne prends pas la voie des airs, reste au sol. Et il utilise son arrière gros pied aussi pour se replier. C'est assez intelligent, très bonne frappe de la part de The Singwong qui réussira à mettre. Oh, ça c'est sale! Ça c'est sale, il n'a pas pris counter, mais il va quand même prendre l'intégralité du dégât. 1-7 à 0 pour Momochi et deux joueurs de la team IG. Ah, il y a un petit tic de tête de The Singwong, comme ça. Il se remet un tout petit peu sa mèche en place pour eh bien, signaler quand même à l'audience. Si hostile, hein, les gens qui se battent sur un ring de boxe. Hein. Mais oui, c'est mais bien. Il y a même une cage juste avant. Voilà. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait de la cage, je crois que Mike Ross l'a pété. Alors là, oui, ça doit être ça. Ça, doit être ça. Alors là, on ne voit pas, mais donc ils sont côte à côte. Hein, oui. C'est l'habitude aux États-Unis. Mais il y avait du versus au début de ce tournoi, le samedi. Ils avaient installé des postes en versus, mais attention, ce qui est vachement drôle, vous allez rire, welcome to USA. Les postes en versus étaient côte à côte. Parfait, deux écrans, mais t'entends toujours le style du voisin, c'est super. Chacun avec son écran, ils étaient l'un à côté de l'autre. C'était tellement stylé. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est les États-Unis, on ne sait pas. Peut-être qu'ils feront comme ça, allez-vous, hein, ça sera la révolution. Ils sont en versus et peut-être qu'un jour, eh bien, ils enlèveront le côte à côte. Il a l'habitude de gagner les premières rounds, hein. J'ai l'impression, Justin Wong, de se faire dominer dans le second, de garder ses barres. Pouh, décalage dragon. Et qu'encore un petit tas de soumets qui crossent. Comment il presse, c'est violent comment il presse Momochi. Bon, par contre il prend tous les whiff finish de la balayette. Hein. Si on regarde la game d'avant, Justin Wong nous a fait la même, c'est-à-dire qu'il a eu 4 barres dès le deuxième round, il les a jamais utilisées. Quoi. Alors, c'est ça. Aussi, bah, il y va maintenant, il voit que l'autre il s'en fout de ses barres. Qui veut les conserver, on ne sait pas pourquoi, parce que là théoriquement, ouais, gagné 5 fois, hein. Elles sont là pour tuer hein, les barres. Ouais, hein. C'est complètement là pour tuer, mais Justin Wong se dit, oh, je suis bien, j'ai pas besoin. Ouais, pas il besoin. Veut passer par-dessus un Hadoken avec 3 barres pour faire ultra. Mais se vider c'est pour les puceaux, c'est pas pour Justin Wong. Il n'a pas besoin de ça. Lui, il garde tout comme un vrai mec. Viens là. Viens tester ma petite couette. Petite dive kick dans la garde. Il provoque parfaitement le dragon bourré. En fait. Mais oui, parce que lui, ça fait déjà. En 20 secondes, ça fait la 4ème barre hein, qu'il utilise de cancel de dragon pour safeiser sa défense. Et puis l'autre, il attend une boule. Il n'arrive jamais, la boule. Hein. Voilà. Donc maintenant, il envoie quoi? Il l'envoie au pif. Et, voilà. Et encore une fois, c'est Ex-Messia qui termine dans la garde. Et c'est 3 barres d'utiliser pour rien du tout. Au pif complet. Très mauvaise gestion hein, pour le moment de la barre de la part de Justin. Bon, il a cru. Hein. Je suis sûr qu'il a cru. Je pense. Non, c'est, c'est un Ex-Messia qui l'a Je ça. Pense que c'est. Pas un Ex-Messia parce que c'est avec les points, mais c'est l'IX Tornado qu'il voulait faire. Ouais, et qu'il a buffé. Il a buffé le avant-avant, exactement. Et que du coup, il se retrouve en position balle de match pour Mochi et qui délai sa focus pour quand même la dash canceler. Whiff punish au dragon. Parfait. Qu'est-ce qu'il fait comme setup? Setup de LK. Ouais. C'est un setup qui fait whiff et le Ex-Messia. Avec encore Yixatsuma qui cross-up. Et il prend son gros point Tornado. Il peut revenir très très vite. Hein. Justin Wong, très belle double touche là-dessus. Mais Mochi qui a quand même l'avantage hein, pour le moment dans ce match avec Justin Wong qui va peut-être se réveiller, essayer d'utiliser ses barres comme il le faut. Parce qu'il serait temps d'utiliser ses barres. Et c'est exactement ça que Justin Wong est en train de se dire. Il se dit, je suis pas en avance. Ouais, c'est dommage de prendre cette job parce qu'elle est au Kizem. Il est vite avec Messia. Je sais pas pourquoi il a pas anticipé ça ou fait avant medium kick pour essayer de se rapprocher c'est un peu plus. C'est beau comment il gère l'espace, Mochi, quand même. Avec des sauts arrière gros pieds à chaque fois. Ça, c'est. Mais Wong dans une merde. Ah, c'est le vol! Card Jeking américain en bonne et due forme. Trop d'Omeja. Ah, ouais. Joli. Il a bourré le cul. Bah c'est Rufus hein, de toute manière tu gagnes comme ça hein, y a pas de c'est tu regardes Perplex, tu regardes Andreas, tu regardes Aitani, tu regardes qui tu veux, c'est comme ça Rufus hein, c'est pas il y a de la stratégie hein, il y a de la stratégie c'est stratégique hein. Il y a des plans de jeu c'est Rocket Ultra ouais. Finalement c'est par contre du côté de Momochi que ça soit peu importe le perso qui joue c'est magnifique quoi. C'est très très américain de toute façon comme style de jeu. Momochi c'est propre, c'est limpide. Mais bon, ça doit être propre, il faut quand même savoir mettre sa garde sur des joueurs ultra expérimentés à l'attaque. Il faut savoir que les Américains, il y a une époque, les Américains, et Justin Wong notamment, étaient réputés pour être les meilleurs campeurs du monde. Hein. D'accord. Et ça s'est énormément inversé avec la sortie de Marvel vs Capcom 3. Qui ont poussé les joueurs américains à une attaque à outrance, finalement. Et c'est vrai que le jeu américain se place beaucoup plus sur l'attaque aujourd'hui. Surtout que c'était Wong qui avait énormément d'avance sur les autres joueurs aux États-Unis. C'est vrai. Et comme Wong était un gros campeur, et toujours un gros campeur, là, ça se voit. Un Rufus qui attaque pas comme ça, c'est le seul au monde. Hein. Exactement, c'est ça. Et ça pose des problèmes à Momochi.
Justin Wong qui a sauvé sa balle de match et qui s'offre une balle de match à son tour. Demi-finale winner bracket hein, de ce CEO. Je vous le rappelle, le hashtag, c'est pas la peine de l'utiliser de toute façon, puisque le tournoi, c'est une rediffusion que je vous propose ici. Encore en dragon à la relevé 1 pour se safeiser. Momucci n'est pas spécialement sûr de lui. Il joue avec bien moins de barres dans une situation compliquée face eh bien, à Justin Wong qui va peut-être finalement conserver ses barres. On ne sait pas, peut-être. Voilà, conserve ton barre. C'est beau, il attend d'avoir la deuxième barre pour bourrer. Enfin, il prend vraiment aucun risque à Momucci. Hein. Il prend aucun risque et généralement, tous ses bourrages sont plus ou moins utiles. Ça le sort d'une situation, même si ça ne fait pas hit. De toute façon, qu'est-ce que tu veux réellement confirmer comme dégâts sur un Dragon Cancel avec Ken? C'est pas là que tu vas faire le maximum de dégâts. Ouais, ouais. Mais au moins, tu peux te sortir de situations compliquées. Encore la barre de super et d'ultra chargée pour Justin Wong. Et Momucci qui revient. Qui crapahute un 2 avant MK. Hein. Se replie et il a toujours pas utilisé ses barres. C'est vrai, ça c'est quand même vraiment très très surprenant. Mais en plus, bon, Momucci a une défense d'enfer. Et Momucci charge vraiment, mais vraiment bien sa barre de super. Ouais. On a vu énormément utiliser des Tatsui X, des Dragon Cancel. Et on voit sa barre, une fois qu'elle est remplie, ouais, l'utilise. Et ensuite, à la vie, c'est vraiment deux styles de jeu très différents. Il a son 6ème ou 7ème barre dans le route, c'est, là, ça. C'est un truc de ouf. Hein. C'est ça, ça fait vraiment enfin, beaucoup. Après, hein. Il sature à 4 depuis 40 secondes. Là. Il y a eu un très bon whiff punish ou Hadoken avec le saut avec Tatsumaki encore une fois. Petit Dai Shoryu pour remettre au sol. Un petit Dai Shoryu, c'est un Shoryu qui n'a aucun sens. Parce que Dai veut dire gros en japonais et du coup petit Dai Shoryu veut dire le petit gros Shoryu, ta gueule Ken Bogard, et c'est une balle de match sauvée des deux côtés encore, et balle de match des deux côtés, c'est ça qu'on veut, la balle de match des deux côtés, cette demi-finale pour aller en finale winner bracket de ce CEO. À chaque fois que Momucci vient, Momucci gagne. Est-ce qu'il va pouvoir être arrêté par un joueur américain ou peut-être pas, parce qu'il y a d'autres joueurs étrangers ici que des joueurs américains. En tout cas, c'est Momucci qui prend l'avance ici. Il y a des Belges. Il y en a aucun qui passait les poules. Les Belges sont malheureux en poule. Attention à Street Fighter. Parce que je rappelle que Ken Pachi a fait top 8 à KOF 13. C'est un excellent résultat. Même mieux que top 8, top 5 hein, à KOF 13, il me semble. C'est un excellent résultat tout de même. Il faut signaler. Mais Phoenix, auquel on avait beaucoup d'espoir, n'a vraiment pas eu de chance. Bah, oui, voir la tronche de la poule. Il avait Momucci dans sa poule, De Blanca. C'était horrible. C'était juste horrible. Il a perdu contre Hyperu. Alors, du coup, c'est un match Hyperu, merdique pour. Ça fait mal. Pourquoi il met pas l'ultra? Pourquoi il met pas l'ultra? Justin Wong rappelle la balle de match des deux côtés. On l'a parfaitement rattrapé avec le exo-stake. Saving Bash avant balai à Hayette pour whiff finish. Est-ce que ça whiff? Ça ne whiff pas. Il cancel, utilise toutes ses barres à présent. Mais il est au zéro de vital, Momucci. Ça semble très très mal parti. D'autant plus que Justin Wong peut mettre un target ultra. Terminer ça à n'importe quel moment. Mais voilà. Encore une fois, la gestion des barres de super de Momucci qui est génial. Petit bas, medium punch, j'ai encore perdu de la vie. La focus au pif. Et c'est le vol. Et ben voilà, ça vole aussi au Japon. Il n'avait pas sa barre Wong. Ouais. Donc tu pouvais focus à peu près tout. Il n'y avait aucune chance qu'il fasse tornado nature. Tu vois. Donc non, c'est super bien joué, rien à dire. Cette focus qui met un tout petit peu le guac. Et qui envoie Justin Wong dans le corner. Dans les loser brackets. Et dans les loser brackets. T'as quoi après alors? Eh bien après j'ai la deuxième demi-finale avec Chien. Ah, bon match. Face à EGPR Rog, Per Balrog, qui reprend Balrog. Hein. Fini les strats Feilongien. C'est ce qu'ils sont tous dit l'année dernière. Je ne sais pas quoi. La sortie de je sais pas quel tournoi où on va tous changer de perso, on va tous prendre le top tiers. Voilà. Genre, et finalement, quand t'as passé 3 ans, t'as fait un perso, t'as pas envie de le lâcher comme ça. Hein. Finalement, il a jamais fait d'aussi bons résultats qu'avec boxeur. Bien sûr. T'as 3 ans d'expérience sur le jeu avec ton boxeur. Tu vas pas sortir un Feilong aussi fort soit-il en 20 minutes. Et ça, c'est un match-up inédit hein, que je vous propose ici. Jamais on a vu ce match-là se passer depuis très longtemps. Je pense pas vous l'avoir diffusé. Ouais, encore ils ont un shop avec Baliette et prend le cross-up dans le dos à la relevée avec un nouveau Gekiru et saut vertical gros pied double overhead et ça y a couru de co-cancel et vas-y et tu tartines. Oh là là, c'est trop sale. S'il vous plaît à la régie, coupez ça la régie. On enlève, on ne peut pas laisser ça, c'est trop sale. Voilà, merci. Non, c'est trop sale. Franchement, c'est trop sale. Dans le coin, c'était sale parce qu'il fait un premier saut, il reste devant. Tu dis, bon, bah, c'est pas cross-up. Et le deuxième, il passe cross-up, tu sais pas pourquoi. Il le tue en instant overhead. Un autre que son premier dash trait est puni par bas moyen point option select Yakurenko. Et que le deuxième EX dash hopper est puni par la balayette. Hein. La balayette qui est la balayette de Chun-Li. Cette balayette-là. Pourquoi cette balayette de Chun-Li? Parce que c'est lui qui a historiquement
a pris ce coup à Chun-Li. C'est sérieux, il n'a pris que la balayette à Chun-Li. Voilà, voilà, exactement. Tiens, je vais te donner un truc. Disons qu'elle fait les Yakurenko avec les pieds, elle, tu vois. Bah oui, exact. Oui, bah, voilà. Oui, enfin, bon, mais, mais Gen a été un, le prof dans l'histoire de Street Fighter, un des professeurs du Chun-Li. D'accord. Voilà. Laisse-moi savoir. Si tu veux savoir. Et donc, cette balayette fumée de Chun-Li, il a bien entendu la même. C'est pas drôle sinon. Grande, c'est là, celle de Chun-Li fait que 10 mètres. Celle-là fait 27 mètres, je crois, de loin. C'est ça. Et quand même stylé, hein. Un 7-0 pour Chien et un Rock qui ne peut rien faire, tout simplement. Ah, par contre, plus sérieusement, je pense vraiment que le match-up n'est pas aussi dur que ça pour Balrog. Hein. Enfin, normalement, si tu zones bien, fais attention Balrog, à ce que tu dis, Net. Fais attention à ce que tu dis. Bon, Gen s'est pété, certes. Mais... Non. Attends, tu peux pas dire que Gen s'est pété, ça veut rien dire. Toi-même, tu sais. Non, franchement, le perso, il a pas. Un perso qui met 650 sur un light. Il a pas grand chose. Il fait 650 sur un light. Il a une Ultra 2 qui punit, full screen, n'importe quel projectile. Il a des Ultras qui passent derrière. C'est super. Des combos qui font 40% de barre en BNB. Il est pas pété. Normal, arrête. Non, franchement, le gros problème de Gen, c'est ses normaux. Ouais. C'est normaux. Franchement, il a pas de très bons normaux. Des normaux généralement safe. Aïe, mais non, escape! Derrière cette headbutt, il va l'amener au coin. Voilà, c'est là où Pierre Balrog est génial. Jouer, là, lorsque son adversaire est près du coin, regardez ça, décalage arrière! Le Gekiro est cramé! Et la punition, eh bien, elle est derrière. Je vous l'avais dit, hein, meilleure position pour. Bah, c'est le boxeur qui tient dans les cordes, quoi. Tu galères, tu ressors pas, tu prends des tartes tout le temps. C'est ce que tu avais dit, c'est que le Balrog de Street Fighter 4 ressemble à un vrai boxeur, alors qu'avant c'est pas du tout. Ouais. Bah ça se joue, ça se voit dans le coin, quoi. C'est ça, c'est exactement ça. Dans 2X, le perso, il veut rien dire. Il veut rien dire du tout. Son meilleur coup, c'est le coup qui frappe en dessous de la ceinture, quoi. Alors que là, le dash low, ouais, est pas un coup utile, non, dans ce jeu. Il est punissable, donc. Heureusement d'ailleurs, heureusement que c'est comme ça. Parce que sinon, paye la tronche de boxeur de toute façon. Il y a Kwanko qui touche quand même, hein. Ça touche de loin, mais ça touche. Les deux s'y mettent un coup, c'est super qui part. C'est là où il est le meilleur. Par contre, il a pris super ultra. Ah, c'est tellement dégueulasse. Mouda. Et la barre de vie reste un peu. Il faut qu'il passe à super ou ultra ou quelque chose. La garde, elle est bonne. La garde sur le double cap. Il décale overhead. Et je crois qu'il change de stance pour faire ça. Oui, bien sûr. Aïe. C'est le MP en crane, ça. Chien qui s'offre une balle de match. Super ultra sur un light, tu vois, sur un 2LK. C'est quand même génial comme perso. Bah ouais. Ah, il a fait le pince-téton, le coup préféré. Oh, ça c'est un devant. C'est impossible de voir ça, que ça t'arrête terrible devant. Oh, il y a eu un magnifique conseil de Chien envers Filipino Champ qui ont joué il y a pas longtemps. Ils ont fait un défi entre le Gen de Chien et le Dalsim de Champ. Et Champ, à un moment, il se relève, fait mais comment tu gardes ça? Et Chien, il le regarde, il lui dit il faut que tu maintiennes arrière enfoncé. Je savais pas trop si tu lui fais un bisou ou si tu lui mets une tarte à ce moment-là, en fait. Champ, il a regardé comme ça et il fait « T'es sérieux ? Is this your advice ? You just have to hold back ?» You just have to hold back to guard. Il lui a dit hold back to guard. Sérieux, faut maintenir le bouton arrière pour garder. Faut dire que les Américains, ils ont plus l'habitude de mettre la garde, hein, depuis qu'ils jouent à Marvel. Ils jouent sans la garde et c'est pour ça que depuis quand White, Viper, bah, quand White Black arrive aux États-Unis, qu'il commence à mettre la garde sur à peu près tout, c'est bizarre. Il y a la garde dans le jeu, en fait. Et mec, il bug. Bah oui. Tu vas nous en mettre du Marvel là ou pas? C'est que du CO. Non, là c'est que du Street. On va voir quand il y a un trou, mais il faudra que tu nous racontes ce qu'a fait White Black. C'est tout simplement grandiose. Bah, de toute façon, on va en profiter, hein, puisque les matchs vont être quand même assez longs. Yes. Hold back. Nice. Tout garde. Il y a quand même un partout. S'il te plaît. Oh, bien joué encore une fois l'overhead. Ah, et puis essayer dash upper EX comme ça, au corps à corps. C'est pas spécialement ce qu'il y a de plus indiqué. Rocky a réussi quand même à retourner la vapeur, mais qui n'est pas spécialement dans une situation, sereine, puisque sans barre de super, puisqu'il a vraiment pas été avare à la dépense. Non, c'est pas bon ça. Je sais même pas comment il a réussi à toucher son gros point. Je suis à l'avantage dans la vie. Nigelo. Maintenant il recule. C'est pas bon parce que même si t'es en avantage à la vie, il peut très facilement utiliser deux barres. Voilà, comme ceci pour faire mal. Mettre au sol. Hey. Oh non, il fait que deux pour faire ce vertical petit point. C'est assez étrange, hein, quand même. Ce genre de setup.
ce genre de qu'ils aiment. Oh, c'est la phase du 1. Mais non, mais t'es pas sérieux, Rogue. Est-ce que tu sais parier les phases de 2009? Franchement. Oui, je sais parier les phases de 2009. Franchement. Alors ça, c'est garanti sur 99% des joueurs. Moi, hein. moi, tu me fais ça, c'est... Ouais, voilà, tout le temps, hein. Je suis dedans. Mais là, il n'était pas obligé, sincèrement, d'aller là-dessus. Du coup, il donne balle de match à Chienne, qui va le pousser jusqu'au coin. Allez, il est horrible, parce qu'il est en train de le mettre. Ça, c'est un testage de balayette. Ils se sont testés un peu la portée de leur balayette mutuellement. Et finalement, l'une et l'autre ne touchent pas à cette distance-là. Hein, il a l'avantage positionnel. Et c'est maintenant, il vient d'en sortir du coin. Pourquoi il a fait un gros pied dans le vent en faisant ça? Il est trop mal. Oh là 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 là. Hey, oh, il a raté le juggle à cause du coin, peut-être. Yex Dacho pour sortir de là. Il n'est pas à distance pour se prévenir du coup. Et victoire de Chienne qui se propulse donc en finale winner. Chienne qui va donc rencontrer Momochi. Match aussi assez inédit. On va voir qui du Singapourien qui a tué les Japonais lors du SEAM 2013. Le tournoi que je vous ai casté. Asia, voilà. Le tournoi que je vous ai casté la semaine dernière dans Meurs pas sans ton pif et qui va devoir se affronter. C'est pas Momochi. Hein. Momochi. Momochi. Non, il a tué Kazunoko. Il a tué. C'est vrai qu'il a tué Kazunoko. Ouais. Je sais pas s'il a pas tué Tokido aussi. Je sais pas qui a tué Tokido. Là, j'ai pas fait gaffe. Je sais pas. Magneto, Nico, Magneto. Hein, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Voilà. On vous offre de la bonne qualité. Ça, c'est Chien Momochi de la finale winner. Final winner. Final. Chien Momochi, c'est en 3 out of 5. Yes. Hein, avec mon anglais de la mort qui tue. J'en ai tué quelques-uns avec mon anglais. Il y a un moment, j'ai parlé anglais à un japonais. Il en est mort. Et sachez-le que je ne donnerai pas de nom. Mais il n'existe aucune preuve de cela, puisque ça c'est un Death Note. Voilà, c'est ça, c'est une mort naturelle. Voilà. Hein. Mais bon, c'est les pouvoirs de mon stand en fait. J'ai un stand qui tue lorsque je parle anglais. Et ça, c'est stylé comme. C'est pas mal comme. Ah bon, bon c'est complètement anglais. Il s'appelle English Death et il est intestable. Hein. Dans la tier list des stands, Momochi... il tue. Hein. C'est simple, c'est le stand qui tue, il dessert la mort. Il est imbattable. Momochi, il vit à Tokyo. Momochi vit à Nagoya. Il n'a jamais quitté Nagoya. Il n'a pas énormément de gains, mais généralement, c'est au travers les tournois. Bon, c'est pas vraiment Kansai, Nagoya, mais disons que c'est assez proche du Kansai. C'est au travers des tournois Osaka contre Amiyu qu'il a plus de chances de s'entraîner. Crois-moi, ils connaissent parfaitement gain. C'est juste que ce match-up est dégueulasse. Et encore, il a la gentillesse de jouer Ultra 1. Puisque si tu joues Ultra 2, je crois que c'est encore pire le match-up ici. Puisque voilà, ça c'est même plus possible avec l'Ultra 2. Faire des boules, d'accord. Même plus possible d'être loin de faire des boules. C'est ta boule, c'est ton Ultra 2 en l'air qui te pose problème. Ouais, exactement. Okay. Bah, c'est même plus possible de faire ça, mais même faire l'avant medium kick dans le vent, si le mec a sauté, c'est plus possible. Un mec qui voit tout, il peut tout whiff punish à l'Ultra 2. C'est instantané dans ta gueule full screen. Ultra 2, pour vous qui connaissez pas, dans la stand screen, c'est un anti-anti-air. C'est-à-dire que vous sautez, vous pouvez la lancer, comme l'Ultra 2 de Viper. Et du coup, si le mec a bougé en dessous, tu lances. C'est ça. Et puis, il ramasse 400, quoi, ou 500. C'est l'ultra anti-reset, on appelle ça. C'est beau, c'est confirme, putain. Oi, hey. Avec le setup à la relevée, c'est un cross-up sur petit pied, bien gardé par Momochi. Et Momochi qui se fait quand même malmener. Allez, c'est lui qui a maintenant sa barre de super. Non, mais très cool, là. UX Adoken de Ken qui met pas au sol. Et ça aussi, ça pose des problèmes à Ken. Je vous dis, il a plein de problèmes. Si vous vous souvenez du match entre Chienne et Daigo de la Topanga League Asia, c'est probablement le match le plus long de l'histoire de la Terre. On voit quel point Umera en chie. Ce Shinryuken, il l'a mérité. Pour une petite phase de Tatsumaki crossover pour essayer de le mangamer. Donc je dis, on voit comment Umera en chie pour essayer de maintenir le niveau face à Chienne avec le match-up Ryuken. Pour Ken qui a clairement moins d'armes dans ce match-up, Ken a d'autres armes, mais dans ce match-up là, il a clairement moins d'armes que Ryu. Ken, eh bien, le match-up est clairement encore plus difficile que ça. Pour Mochi, ça va être difficile. Il réussit à remporter des rounds, mais il y a toujours 0-0 et il a dû utiliser beaucoup de barres dans ce deuxième round. Putain. Ouais, c'est focus, c'est ça? Bah oui, focus dans la boule. 4 fois qu'il fait. Franchement, la focus de Ken est réellement divine, complètement divine. Mais ouais. Le close gros point en hit qui est bien entendu safe. Il y a moyen d'éviter celle-là quand même. Ouais, et puis la super en super cancel et Imegekiro. Hey, 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 vra.
Et il y a ses tops derrière, c'est devant. Va le parer celui-là. Dommage. C'est infâme. Une autre fois peut-être. C'est infâme. C'est infâme, bien sûr que c'est infâme, mais on s'en fout. Tiens, je vais faire un double clic pour essayer d'afficher le chat. Vas-y. Je vais m'appeler. Faites tes commentaires, je m'en occupe. D'accord, ok. Gigascuge. Histoire de savoir comment vous-même vous êtes outré par ces histoires-là. Non, mais c'est vrai que il y a pas beaucoup de. Ah, c'est vrai que ça touche quand même loin, hein, cette focus. Il y a pas beaucoup de gains qui arrivent au niveau de chienne à l'heure actuelle. Donc, on peut pas dire le joueur est fort, le perso est pété, ça n'a pas de sens. Ouais. D'accord ? Le joueur est fort. Et dans la tier list de chienne, qui est parue il y a pas longtemps d'ailleurs, c'est. Eh bien, Félong, qui pour lui est le perso le plus fort de jeu. Alors, comment il a ramassé ici avec Dragon, avec 2LK, 2LP. Et encore une fois, après, il remet juste focus en garde. Et c'est pas bon ! Et c'est pas bon, c'est toujours pas bon. Il y a un affaire, c'est toujours. Bah, c'est toujours pas le bon. Félong sur le perso le plus complet, quoi. Quoi qu'il arrive, il a pas vraiment de mauvais match-up. C'est le Ryu actuel, quoi. Tu joues Félong, t'es garanti de pas jamais te prendre de gros vols, quoi. Non, mais cette focus, faut arrêter! Il focus tellement de Hadoken, il peut même pas faire boule! Mais non, mais c'est Momochi qui fait des boules pour rien, alors que l'autre, tu lui présentes 4 focus devant le nez et il refait une boule. Ouais, c'est un conditionnement pour la boulex. La fameuse boulex qui retire tellement de barres de vie, met tellement au sol que c'est vachement idéal de conditionner sur les projectiles. Il a des barres gratuites. Je comprends pas la focus de Gen. C'est la première fois que je la vois toucher aussi loin. C'est pas possible. Je deviens. Chaque fois que tu regardes un match, elle va encore plus loin. Voilà, fois. C'est ça. Je pense que je deviens réel myope là de plus en plus et je ne vois plus rien. Hommage évidemment. Oh là là, ce target en whiff punish du avant MK dans le vent. Remise au sol, il est mal. Momochi, un petit jump cross-up de LK, heureusement il a raté son combo. Et on peut bourrer Counter Hit. Et oh là 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 là, Shinryuken. Et voilà. Il a eu de la chance, Momochi. Il a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance dans ce round-là. Puisque, si Gen n'avait pas raté. Avec des si on refait le monde, évidemment. Si Chien n'avait pas raté, ça serait. Voilà, backdash pour faire whiffer, c'est foutu focus au pif là. Insupportable ça. Les joueurs qui focus au pif, bad point, bagro point, die show you. Et redécale voilà, Dragon, ce seul festival de Seeker. Voilà. Du coup, ce round là, qu'est-ce qui s'est passé? Gen a raté une focus. Voilà, et dommage, c'est fait lavementer. Voilà, c'est ce qu'on appelle ça, un lavement. Il y a un mec qui bug là à la caméra. Il est trop stylé, hein, c'est mon main. Je le joue, hein, dans tous les sa mèche, là, tous les jeux de combat. Il nous a déçu capillairement, hein, je trouve. Ah oui, bien sûr. Avec sa mèche. Ah, c'est mort pas sans tant pis. Bien entendu, c'est une émission de merde. Il faut parler de la nouvelle coupe de cheveux de Gen. Voilà. C'est important. Je pense. Hein. Je pense qu'il manque de charisme, hein, avec cette nouvelle coupe. Franchement, mais il a retrouvé sa couleur de cheveux naturelle. Ouais, bah noir, quoi. C'est un Asiate, quoi. Voilà. Les Asiates, ils sont noirs. Bah ouais. Ouais. Enfin, on se comprend, quoi. C'est pas possible. Et il y a toujours ces focus qui posent des problèmes à Momochi, même s'il a réussi à réduire, un tout petit peu. Le score, il est quand même dominé. Oh, il a changé de stance, nature. Mais oui, il a changé de stance devant sa gueule. Ça n'existe pas, ça. De changer de stance devant la gueule du mec. Pourquoi il fait ça? Alors, il fait pas le truc, hein, du pari de Gen. C'est savoir qu'il y a un pari avec Gen, hein, aujourd'hui. Ouais, c'est tellement qu'il n'y a plus de match. C'est terminé. Encore ramassé la super. Plus le match s'éternise. Tu sais, Gen, il a l'Ultra 2, si tu la places normalement. Il y a un timer qui vient dans ta gueule et ta barre d'énergie descend. Tu vas crever. Voilà, descend au fur et à mesure. Tu vas crever, tu vois. C'est le Omaewamo Shindeiru de Dr. Noken. Mais le truc, c'est que sans cet ultra, il y a aussi un timer de la barre de super. Dès que la barre de super est chargée, bah, tu te dis, il a 50% de barre garantie dans ma tête. Pour lui faire utiliser ses ex-Gekiro, pour qu'il ait moins de barres, pour qu'il ait sa super plus tard. C'est horrible. Hein. T'es obligé de l'agresser pour lui faire vider ses barres. De toute façon, il va utiliser quoi, le ex-Gekiro, à part c'est un reversal. Eh bien, sinon, la ex-rolling, elle sert à rien. Ses barres de ex, ça lui sert qu'à la super. Hein. Et il n'a aucun coup cancellable. Ouais, après, à part le Yakurenko. Voilà. Qui n'est cancellable qu'en combo, parce que ça sert à rien de canceller en garde. Je préfère un Yakurenko que me prendre un super ultra. Hein. Je préfère prendre un Yakurenko aussi, hein, personnellement. Ah, c'est pas bon ce pif! Pourquoi il pif à cette distance? Ah oui, il avait 2 barres. Il pensait que ça allait toucher sur le premier hit. Ouais. Mais je rappelle évidemment que le Dragon de Ken n'est pas cancellable. Alors,
du deuxième hit qui touche trop loin. À partir du moment où vous êtes considéré, voilà, encore une fois ici, refait l'erreur. Ah non, pas du tout. C'est que je regarde pas le bon, je regarde pas le bon écran. N'importe quoi, moi. Je regarde le strip. Du coup, j'ai ce qu'il y a. Pff, oh là là. Deux fois la même erreur. Exactement. Oui, inception. Hein. Je me suis inceptionné tout seul. Ça veut rien dire. C'est la Japan Expo. Ça m'a tué. Hein, je vous l'ai dit. Ça m'a tué. Et je suis encore en train de transpirer comme un goré. Ce qui fait que, je crois qu'on va activer l'odorama hein, sur OGaming pour bien vous en faire profiter. Et Nate va probablement mourir en poule avant la fin de ce truc-là. Hein, suite à mon aura. Je vais faire l'émission entièrement en apnée. Ouais. Voilà. J'ai tellement mérité une douche. Ah, c'est bien provoqué. Oh, c'est beau ça. Lui, je me dis, super. Hey, hey, ça, hey, 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 vra. Et il n'y a plus qu'à l'eau qu'ils aiment. Et le cross-up, la garde, il est en train de bourrer sa vie. Momochi, il est complètement agacé, il en peut plus, il ne veut plus jouer cette finale, il en a ras le bol, ça se sent. Voilà, là il a pris de la distance, il essaye de se reconcentrer, de se remettre un peu dans le match. C'est quand il te reste 20 points de vie au dernier round que t'as envie de te remettre dans le match, quoi. C'est tellement trop tard, ouais, c'est trop tard. Ça, ouais. C'est bas gros point ou bas gros pied d'ailleurs ce mouvement-là. Bas gros pied, bas gros pied en crane. Et bien voilà. Chienne qui devance à présent Momochi. Momochi qui tente le book d'ailleurs, comme style. Mais la barbe au japonais, ça va pas très bien. Il faut savoir que ça, pour cette petite barbe, il faut 6 mois. Hein. Ouais, c'est un peu ça. C'est 6 mois de préparation physique pour avoir la stance Yakuza. Descendante d'une famille de ninja, je sais pas si je l'avais déjà dit, Momochi. Ouais, je savais, peut-être pas les spectateurs. Ouais, c'est une grande famille de la famille Momochi. Yusuke Momochi, il s'appelle. Si vous voulez plus de renseignements. Et il ne joue pas Gaï. Voilà. Et c'est le dernier descendant de sa lignée de ninja. D'accord. Et comme visible. Bah non, mais toute sa famille. Il est avec Shoko Blanca, donc il y aura une suite. Voilà, il y aura une suite des ninjas avec Shoko Blanca. Ça va être stylé. Des ninjas qui n'ont pas le droit de sourire. Ah. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse comme émission Marquois sans ton pis. Ça parle mal. Ça critique le physique. Ça dit de la merde sur les persos pétés. Ça va la Japan Expo. C'est n'importe quoi. Voilà, c'est ça. Attention, hein, Momochi qui sauve évidemment ses balles de match. Mais qui. Ouh là, je lui ai appris un point comme ça. Le cross-down, il ne le prend pas. Il fait dash avant cross-down. Ouais. Empty jump cross-up. Il est en train de lui tourner autour. Il a fait un 3-6 sur. C'est que bien, sur l'adversaire, le enfin, corps du Ken de Momochi, enfin, c'est pas possible. C'est je pas provoquer possible. Le dragon tout à l'heure. Ça, c'est que ça se garde comment? Explique-moi. Moi, ça se garde pas. Ça se garde pas. En plus, c'est un Shoto. À mon avis, il y a des imbloquables sur Ken. Bon, de toute façon, c'est un bloqué. Ça, c'est un imbloquable. Ça, à mon avis, c'est bloquable. C'est juste que c'est cross-up. Mais tu peux pas savoir. De toute façon, s'il met un autre coup, ça va être devant. Alors, de toute façon, ouais. Tu pifes ta garde. Hein. C'est un peu ça. Ou alors, tu fais du dash arrière, mais le dash arrière de Ken est tellement nul. On parlera du faux vortex de Gen. Dans un autre. Mais non, mais c'est provoqué ton dragon! Sérieux, Momochi, fais très attention! Il y a balle de match! Ça, en revanche, je crois que c'est imbloquable! Ça, en revanche, je crois que c'est un véritable imbloquable! Ce qu'il vient de lui mettre ici, les dive kicks, pouah, avec cross-up juste derrière, ça sent le stun! Non, heureusement, il a raté son combo derrière le stun moyen point! Ouais, c'est bon, il aurait pu! Parce que c'est stun moyen point, stun moyen pied, il me semble, les targets! Rien pour la super! C'est insupportable! C'est fini! C'est insupportable, sincèrement! Je ne sais pas comment va réagir Momochi après ça, mais c'est réellement. Je sais pas si tu auras le temps de le placer, ouais, le match. Ce sera la finale, ce sera exactement le même match que là, en fait. Il faut voir à la fin de ton émission. J'avoue. Si ça passe ou pas. Grande finale donc pour Chien. Momochi attendra donc son adversaire en petite finale. Et on va passer au Loser Bracket, le tableau des Loser Bracket. Magneto Nico. Avec hommage évidemment à Yamato dans ta cave. Ah! J'espère qu'il perd. Oh, il nous avait tellement manqué, franchement. Kriji, on attend bien entendu tellement de cet homme, d'une mauvaise foi sans pareil. Hein. Je rappelle qu'il vient de gagner Marvel vs Capcom, hein, on est d'accord. Donc, il est très triste, donc les consoles, l'écran, ça va. Hein. Ouais. On en reparlera après. C'est parti avec Kriji contre Justin Wong qui a donc perdu en demi-finale. Kriji qui a été sorti très rapidement ici par, il me semble, Rogue. D'accord. Okay. Rogue qui l'a sorti 2-0. Hein. Okay. C'est-à-dire, il y a vraiment, complètement déraillé. Donc on voit, visiblement, il n'a aucun problème avec les Just Frame combo de Sakura. Tout va bien hein, pour le moment. Il fait son footing, hein, son footing. Est-ce que tu peux te pousser? J'aimerais toucher le mur à gauche. C'est exactement ça. Voilà, Justin Wong qui réagit quand même bien avec cette tornado. Reçoit gros point en set jump pour match-up hein, les désavantages de Sakura. C'est l'eau qu'ils aiment, on le sait. Elle est complètement gratuite sur la relevée.
vous pouvez la bourrer autant que vous voulez. Ouais. Si elle a le malheur de bourrer un Dragon Egg, c'est que vous faites le bon setup, ça whiff et vous avez un combo réellement garanti juste derrière. Voilà, ça c'est Ex Tatsumaki au pif pour se rapprocher, trouver le corps à corps. Et un très bon bagro point anti et une centaire dive kick qui permet à Kriji de reprendre l'avantage dans ce match. Et il cherche la mise au sol lourde évidemment pour tenter l'arnaque. Kriji qui joue Shinko Hadoken en Ultra 2. Mais oui, et bah, qui pour le moment, il décale, il joue bien quand même. Qu'est-ce qu'il joue bien? Voilà, sure. Par contre ce décalage là, la Justin Wong Justin Wong spécial. Oh, Domeja, ça tue pas, cela dit, hein. Ex Tornado, on utilise juste l'aspiration pour la saving dash cancellée, remettre target derrière. Le setup derrière est parfait. C'est un buff de Arcade Edition 2012. Eh oui. C'est le seul à utiliser un buff de 2012. Voilà, c'est un mec qui le mérite, ce combo. Voilà. Il le mérite. Parce que si vous voulez, c'est comme si vous étiez touché sans perdre de l'énergie. C'est un véritable hit qui ne vous perd pas de l'énergie. C'est un aspiratron, du coup, tu te retrouves à plus 22, tu mets ton target. C'est exactement un aspiratron, mais il est difficile de placer des vrais aspiratrons en combo avec 7, alors que là, on peut réellement s'en servir de cette façon-là. Yes. Attention à ce bas moyen point, ici, qui théoriquement a pour vocation d'être anti-air, et qui malheureusement n'arrache pas. Très belle fin de demi-ti pour placer la chope à la relevée de la part de Wong, qui replace une chope, tente les mukubinismes, mais il y a quand même la défense ici, parfaite de Kriji, Justin Wong qui est en avance hein, pour le moment. Il y a des barres du côté de Kriji, cancel pas. Oui, il va tenter la relever. Il va tenter la relever, refuser peut-être plus ou moins gratuit, mais non, elle est complètement ratée son setup. C'est dedans. Et c'est fini. Et allez, petite culotte, pansu, Shimas. Oh, il est en vie, il est encore en vie. Ix Messia pour gratter. Que pouvait-il faire de toute façon? S'il mettait l'ultra, il prenait le Messia, il mourrait. Je pense pas qu'il pouvait faire grand chose de toute façon. Là-dessus. Ah, faut mettre BMK au pif, impossible quoi. Ouais, c'est ça. Tu fais pas ça, t'as relevé quoi. Non. Voilà. Ça semble assez improbable de toute façon. Et Justin Wong qui prend le premier set, c'est étonnant, mais Kriji en difficulté. Oh là 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 là, ce qu'il est en train de manger. Est-ce qu'il sort du corps? Oh, non, il y a la garde qui a lâché. Oh, la garde qui lâche avec le stun qui est très très près. Il va le choper, il va le choper, même pas. Évidemment, close, gros point à la relevée qui sort à une vitesse prodigieuse, on va dire, et qui permet. Eh bien, à Kriji de s'en sortir. Son arrière-gros point au pif complet dessous. Bah, ça. Et là, il faut absolument qu'il revienne. Pour Ex Messia, c'est complètement mindé par Kriji qui remet gros point à Tatsu. Celle-là qui Ex Tatsumaki. Ish. Il a peut-être peur. Il est peut-être pas sûr de ses combos. Il veut juste remettre au coin. Pou, il fait un petit jump, rien. Et il décale. Et c'est lui qui rend le stun. Itadakimasu. Dragon ultra garanti dans le coin, ce combo-là. Je suis choqué que sur Rufus, tu fasses pas deux fois gros point, quoi. Enfin, perso, il fait 3 mètres cubes. Tu mets close gros point à Tatsu, bas gros point à Tatsu, tu mets pas light kick. Tu perds 70 de dégâts avec light kick là. Il en plus, c'est que ça sort 4 frames les deux. Ça sort en 4, tu le payes Link, donc c'est mieux que le light kick que tu peux pas payer. Les deux sont en 4. Non, donc normalement, il doit faire des combos max là, je sais pas ce qu'il fait. Il est peut-être en mode où il voulait absolument pas rater, ouais, je ne sais pas. Light kick quoi. Puis de toute façon, t'as le ex Tatsu derrière, t'es à plus 4. Ouf, ça fait mal. Mais Kriji, il est quand même réputé généralement pour faire. Les meilleurs combos dans les meilleures situations. En tout cas, Marvel, il est réputé Marvel pour ça. Peut-être, mais Street, je suis pas d'accord. Il fait pas whiffer ce Ix Messia. Il fait pas du tout whiffer ce Ix Messia. Par contre, qu'est-ce qu'il pousse bien? Regardez, Wong, il a atterri de moitié de l'écran. En 5 secondes, il a repoussé. Il est rentré dans sa cage. C'est complètement la technique du chien de berger qui pousse les moutons à l'intérieur de la bergerie. Et le Dubtelka est rentré. Et encore avec Tatsumaki. Avec encore Tsubasa garanti juste derrière. Le Kizem ou Hadoken en Mithy. Le Hadoken en Mithy est là. Tatsumaki, ça passe pas. Oui, fait le Ix Messia. Mais Justin Wong, oh là là. Quelle bêtise de la part du joueur américain. Mais quelle bêtise. Voilà, il ne la refait pas ici. Pouh, overhead. Décalage gros point, pas de respect. Et deuxième stun. Un partout. Voilà. Il a rendu le non-respect. Je pense qu'ils ont. D'un point de vue de l'arrogance de jeu, Kriji, quand même, parmi l'un des meilleurs. Taunter in-game, ouais. Des plus répétés. Ah ouais, ouais, ouais. Bah, même arrogant. Out of game, de toute façon, il est déjà tellement assez arrogant in-game. C'est pas lui qui a mis une taunt à. Comment s'appelle, à Tupac? Oh, c'est fortement. Oui, c'est ça, c'est possible. Il a mis une taunt à Tupac pour se faire tuer ensuite après. Ouais, pour se faire tuer. Ça lui apprendra. Bah, du coup, contre Tupac, tu connais. En France, tu sais, hein, si tu le taunt et que tu perds, il te danse devant le nez. Hein. Ça me rappelle tellement le Togeki 2009, il me semble, à Street Fighter 4, où il y a un joueur japonais qui met une taunt comme ça, et le mec est aux heures vitales, il lui met une taunt et il perd. Mais la kick, il remet encore stun. Hein. C'est hallucinant. Ouais, ouais. Justin Wong, il est en train de se faire percer. 1, 2, 3.
Et il va refaire cet homme, hein. Il peut pas garder ça. Voilà. Oui, et il le prend. J'en étais sûr. Justin Wong, il a le cerveau qu'il faut. Voilà, ça c'est très bien, mais il peut pas canceller ça. Oh là 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 là. Arrêtez avec cette Nightpunch. Mais il y a la chope quand même à l'enlever. Oh, qu'ils aimaient. Ouais. Voilà, il y a du 2X là-dedans. C'est quand même du top, fait plaisir. Là, remonter cette situation-là, c'est quand même énorme de la part de Wong. Parce que il y a là, un mental. Et il y a un petit. Il y a une petite salt stance hein, de la part de Krigy, on va la voir. Hein. Ah, parce on va que la là, voir. Wong, il a fait le mur de gauche, le mur de droite, le stun, le zéro de vita, il a remonté la situation. Franchement, sur un ex-messia crade. C'était vraiment balèze hein, de remonter tellement ça. Bon, de toute façon, Rufus. C'est tellement bon. Et on demandera au public de la fermer un tout petit peu pendant qu'il y a des gens qui sont en plateau. Est-ce que vous êtes chaud dans la salle? Putain, c'est magnifique. C'est on a trois possible. Mecs du public là, je suis comme un. Ah, mais là, on peut absolument la faire. Alors, ce setup là qui est imbloquable sur les Shoto, le Tatsumaki à la relevée, ouais. Ça, c'est imbloquable. Tout d'accord. Simplement imbloquable. Si tu mets dans le bon setup, fais Tatsumaki à la relevée et que tu mets ta garde à droite ou à gauche. Si tu finis, tu te retrouves de l'autre côté des fois, non? Sur certains persos. Oui, oui c'est ça, oui. C'est ça. Donc, tu prends le gros point de l'autre côté. Donc, si jamais tu avais voulu reset, bah voilà. Ah, ouais. Très bonne balle de match sauvée par Krigy. Et un partout. Et Krigy qui est bien. Est en forme. On le sent dominé hein, de toute façon Justin Wong, mais Justin Wong peut-être avoir, on va dire, un meilleur mental. C'est surtout là-dessus ouais, qui gagne. Krigy se. Qui chiale dès qu'il perd Krigy se laisse trop rapidement saler la tête. Ouais. Et ça, c'est. Malgré tout le talent qu'il peut avoir, c'est un gros défaut de toute façon pour un joueur. Mmh. Et on en reparlera justement ce qui s'est passé au Big Two plus au NCLR de d'aujourd'hui. C'est pas le North Skull Regional, c'est deux tournois qui sont à New York en fait, comme c'est bientôt l'Evo, et ils ont fait le Big Two comme toutes les semaines, et ils ont fait un tournoi de préparation au Curly Mustache qui va préparer lui aussi l'Evo. Voilà. C'est encore la folie. Ça, c'est son gros point, c'est dur à garder. Oh là là, puis il est remis stun. Attention à Justin Wong parce qu'il va pas avoir beaucoup de solutions pour s'en sortir. Gros point avec Satsumaki, il y a tellement de damage reduce qu'il va probablement pas pouvoir le tuer. Ça va jouer en eux qu'ils aiment. Pouvir pas avec spécial. Puis il fallait se mais c'est quoi encore ça? Ce truc sérieux. Mais c'est quoi ça? Eh ouais, bah là, ça rigole évidemment. Ça rigole. Ça peut rigoler. Ça a la possibilité. J'aime pas ce saut gros point de Sakura, je déteste ça, c'est impossible à en tirer, c'est impossible à voir, ça a plus 80 dans la garde, c'est horrible ce coup-là. Bon, ouais, son setup est magnifique. Allonge-toi sur le canapé, Nate, on va parler de tes problèmes. Je vais même parler de Sakura, de comment je me fais bourrer en France par Lior et Abou avec Sakura. On va parler de tes problèmes, Nate, ne t'en fais pas, on en parlera. Deuxième match de loser bracket, c'est Rogue qui a été envoyé, il me semble, en loser et qui va affronter. Magneto Nico. Mamouchi, non? Comment ça, c'est les pubs, ça fait déjà 4 matchs? Oh, le mec! Plus 45, parfait, on est à Mouille. Bon, bah voilà, eh bah, écoutez, on va couper ça avec quelques pages de commercials, comme dirait Mister MV. Et on vous retrouve donc juste après ça pour la suite et la fin de ce CEO, suite et la fin de ce Meurt Power sans Tempif, suite et la fin de ce dénouement de ce tournoi, suite et la fin du commentaire de Ken Bogard. Du commentaire de Ken Bogard. Voilà. À tout de suite. je crois que c'est live. Je crois que c'est live. Tu peux. Ken, reviens. Ken. Bonjour, Ken. Bonjour. Ken, je crois que. Non, j'ai pas envie. Ken. Bonjour, Ken. Ah oui, bon, allez, de retour dans Meurt Pas Sans Tempif, avec la suite de ces matchs. Et puis voilà, hein, du sel à ne plus quoi ça va en faire. Mais oui, bah, du Krigy dans le tournoi encore, donc encore plein de sel en prévision. Deuxième match de loser bracket, Magneto Nico. Et ah Mago, c'était lui, il est encore en vie. Regarde, il essaie de lui piquer ses lunettes de vue. Et il va lui donner. Oh, c'est marrant. Ah, mais là, ah oui, même Mago avec les lunettes comme ça. Waouh, c'est complètement stylé. Ça fait plaisir. Deux mecs qui rigolent, c'est quand même beaucoup plus plaisir que du Mago. Mago, il est génial. Mago est génial. C'est un bout en train. Ouais, ouais. Je vous raconte pas. C'est un véritable. Le genre de mec à se bourrer la gueule et à se péter le dos la veille d'un tournoi. Un véritable bout en train, ce Mago. Tu nous avais fait un plat d'eau la veille du Beat by Contest et t'es revenu paraplégique au tournoi. Il s'était bourré la gueule avec les Suisses. Ils ont fait n'importe quoi sur des murailles, il a sauté, il s'est pété le dos. On l'avait maltraité, Mago. Complètement maltraité. On l'a envoyé à l'infirmerie.
Mago qui est en loser bracket et qui était le représentant de la team Mad Cats pour ce CEO. Tokido étant allé OSEA, ils ont envoyé Mago en sbire pour ce CEO. Et Mago qui a joué un peu de malchance durant ce tournoi et qui s'est retrouvé en loser bracket finalement assez tôt pour remonter le tableau des loser brackets. Il se retrouve donc contre PR Rogue. Et un match qui, eh bien, il a décidé de jouer dans son stage préféré. Match pas la française, hein, voilà, que, sachant que je vous rappelle que le tournoi est sur PS3 et que dans ce stage-là, eh bien, ça lag vénère. Mais Mago semble en avoir absolument rien à battre puisque il commence et continue de dominer complètement Perrogue. Je vais commencer un peu à parler de la tier list de Shen. Shen met donc Feilong tout en haut de la tier list. Pour lui, c'est le meilleur perso du jeu. Ensuite, il met Camille. Ensuite, après, je ne sais pas exactement qui il met, mais il met Gen mid-tier. Hein. Donc au milieu. Ouais, hein. Niveau de rose et tout. Ce qui est intéressant là-dedans, surtout, c'est qu'il met 7 assez bas en fait. Met 7 assez bas et. Il laisse Yun au-dessus. C'est assez bizarre. Après, évidemment, il y a toujours les add-ons Ibuki en haut. Mais très haut aussi parce qu'il se fait torturer par Leslie. Evil Ryu, il le met pas non plus très très haut. Alors que je te prie de croire qu'à mon avis, il a joué Evil Ryu contre Shen à la TLA. Je sais pas. Il a joué Ibuki. Je crois qu'il a joué. Parce que je sais que Shen s'est fait dérailler par sa compétence. Quand je dis dérailler, c'est dérailler. Il l'a ouvert en deux. 7-0. 7-0. Ouais, je crois bien. C'est contre lui qu'il a pris 7-0. Mais par contre, quand tu regardes le match. À chaque fois, ça se finit à 2-1, 0 de vital, mais à la fin. Ouais, grâce à la super ultra, quoi, ouais. qui permet les comebacks une fois tous les trois rounds. Mais tout de même, avantage Mago, hein, dans ce match-là, avec, Rock qui sait à présent que le match va être un match de fond, qui va devoir jouer ce match. Il y a Option Select, gros point, qui est complètement sorti ici de l'écran, et qui n'a absolument pas touché le backdash de PR Rogue. Sachant que c'est un peu bizarre parce qu'au moment où vous activez en fait le gros point, votre adversaire est proche de vous, mais au moment où le gros point arrive dans les frames actives, bah vous êtes déjà trop loin dans le backdash. Du coup, oui. En fait, vous avez un coup qui devrait sortir phare, mais qui sort close. C'est assez étrange ce genre de phénomène, mais c'est significatif sur les coups qui ont un très gros frame de start-up. Comme ça peut l'être du close gros point. Pou, allez, coup de boule pour revenir avec un dash trait ici. Il prend un 2LK ici à relever. Un peu dommage de prendre quand même ça. Et les Reka qui vont le pousser un peu au coin, mais il se fait pas mener jusqu'au coin. Il est redoutable quand il a la super ultra. Juste un headbutt et il est mort ici, Mago, il le sait. Il a pas absolument pas le droit de prendre ça. Oh, il va pas quand même lui tenter lui. Ex dash overhead aurait pu quand même là. Deuxième ex dash low. Dash trait encore une fois là parce que t'attends tellement le ex dash overhead. Que tu te dis, c'est pas possible, ça va arriver. Il reste 6 secondes au compteur. Là, Mago, hein. Il reste 6 secondes, 4 secondes. Rogue est à l'avantage, mais le trop loin. N'importe quoi, n'importe quoi. Joli. Il finit de saigner sa barre de super pour rien, Mago. Encore une fois, complètement dominé probablement par ses émotions qui lui font perdre tous les tournois de la Terre. C'est le même problème avec lui. Tous les tournois de la Terre. Bon, la focus de Feilong, hein, on en parlera peut-être un peu plus longuement que la focus de Gen, parce que ça, c'est des vrais focus. Ça, c'est des focus vraiment pétés. Ça, c'est des vrais focus hein, dont on n'a jamais compris pourquoi. D'ailleurs, à la réponse pourquoi, personne ne m'a jamais répondu. Hein. Parce que c'est comme ça, on ne sait pas, c'est Feilong. Et depuis le 1, ça ne va pas, hein. On rappelle hein, quand même. Hein. Mais depuis en plus, le Feilong, 1... En plus, Feilong, non seulement il gagne le. Enfin, il a une focus qui va très loin, mais en plus, si tu fais duel de focus, tu perds à tous les coups. C'est parce ça. Parce que sur Backdash, il va te rattraper avec tous les récanataires. Il l'a fait. Oh, le mind game de fan de crossover. Et là, c'est derrière. Mais ça ouais. Dépend, à mon avis, au moment où tu appuies sur le gros point dans les airs, tu atterris soit devant, soit derrière. Okay. C'est assez intéressant. C'est le gros pied d'ailleurs, c'est pas le gros point. Ouais, c'est le gros pied. Et non, mais encore une fois, c'est la deuxième fois qu'il prend ça. Phase oh, c'est pas 2009, possible. Bonjour. Oh, bon, le va. À l'américaine. Ah, il ouais. Une question, quand même. Et il fait vrai. T'as kiffé mon overhead et tu Welcome to USA. C'est comme ça. Good morning, USA. Ouf, en 2013, tu prends encore ça. Comment ? C'est ouf en 2013 de se prendre encore ça. Encore le overhead. Mais en 2026, les gens le prendront encore de toute façon. C'est nature. Mais là, il clignote en jaune. Tu chopes, je sais pas, tu. Après la guerre mondiale contre les zombies, après l'anéantissement atomique de la planète, les gens continueront à prendre ça.
Tu vois, il y a pas de, il y a pas de solution contre c'est ça. Le roi de la, c'est le dieu c'est de la juste, deuxième, c'est juste, pouah, décalage Sten, gros pied. Counter qui le confirme à la balayette. Bon, par contre, c'est pour prendre Eric ici. Mais Rogue, il est bien. Mago, attention, la porte de sortie est pas loin. Le package a aucun sens. Absolument aucun sens. Bon, heureusement, il a bien déchopé ici à la relevée. Mago est tellement en difficulté. Et Felong, il y a plus réellement les combos qui font très très mal. S'il a pas la position de coin, il a tellement c'est bien beau, confirmé ce standing jab. Magnifique, c'est hein. Superbe, superbe. Il a plus qu'à, pardon, aller le gratter. Bon, confirme. Ma petite pied derrière le Riku Kaku. Allez, Mago. Ici. Riku encore. Ça saute en arrière, il se jette dedans. Mago qui est pas dedans. Et évidemment. Enfin, si, pour le coup, il est dedans. Il est dans le coup, quoi. Oui, il est dans le coup. Il est dans le coup, mais il est pas dans le match. Pour le coup. Ouh, voilà. Et ça rend les petits stand night punch de Whiff Punish. Ici, dommage qu'il n'y ait pas l'option select derrière. Encore une fois, la focus. Hey, hey, hey. Avec le gros point 3K qui va mettre ici au coin. Mais Rock qui a vu, qui maintenait une certaine distance. Eh bien, distance nécessaire pour finalement être pas à distance de la balayette. Et il s'est dit, bah, tu te mets à distance de pas balayette et de distance de Reka. Bah, dash en avant. Et du coup, il est pas dans le coin. Et Mago, il perd tout son avantage qu'il a eu sur sa mise au coin. C'est surtout sur Balrog et Felong, tu as deux choix en fait. Soit tu joues plus loin que son coup pour qu'il whiff, soit tu joues plus près pour qu'en plus tu puisses le punir. Par exemple, contre Felong, contre son petit Reka, tu as deux choix. Soit tu te mets plus loin que le petit Reka, soit tu te mets plus près pour que tu puisses le punir quand il te finit en garde. Tu vois ? Felong essaie toujours de maintenir la distance où le Reka est impunissable. Et toi, soit t'avances, soit tu recules. Et ce que les gens pensent pas en général, c'est d'avancer quoi. Il faut avancer parce que quand tu réduis les distances, le Reka devient plus safe. Bah oui, du c'est tout. Ça. Et du coup, le mec, bah, il hésite. Alors, évidemment, Felong a des coups avantageux, même en close range, voilà. Mais vous croyez-moi, vous êtes un match entier avec ça quoi. Voilà, vous êtes plus sûr dans sa tête que pas du tout. Alors, j'allais dire qu'il avait eu une parfaite gestion de la barre de super ici Rogue, mais il a rien pu en faire. À mon avis, il veut trop tuer à la super, ce qui a causé eh bien déjà sa défaite lors de ce set et ce qui a causé surtout eh bien le gain de toute la barre de super. C'est confirmé ça. Pouaf ! Ça fait mal en revanche, hein. C'est un très bon gambit d'ouverture. Mais qu'est-ce que c'est pour que Mago. Dash, là. Je ne sais pas, il y a des balai punch qui se baladaient ici avec dash trait. Ça touchait counter hit encore, mais ça ne permet pas à Rogue de reprendre l'avantage. Pouah, ça fait mal ça. Ça fait mal ça aussi. Oh, il y a pas de Reka derrière le close gros point. Je sais pas ce qu'il a fait. Non, avec ce dash low en revanche, c'est assez safe. Il est sérieux. Il est sérieux. Le saut vertical whiff punish par l'ultra qui est une ultra charge. Je rappelle, dommage, la balayette va pas rattraper ici, le X-Reku s'en va et ça fait un partout. Yes. Elle a manqué sa chance ici hein. Ouais, là, c'est parti. Complètement manqué sa chance. Pour, presser autant. Alors que Tude est en train de coucher avec ma copine et que ça ne me plaît pas. Ça ne me plaît pas du c'est tout quand même cette pas histoire. Très pornographique. Hein. Faudrait vraiment que je passe une caméra sur eux parce qu'on a Tude mort en poule ici dans un dans un canapé. Ça vaut réellement une petite photo pour illustrer ce meurtre passant en pif. Ça vaut complètement une photo. Allez, back throw, elle est là, bien joué. Et encore une fois, eh bien, c'est Mago qui prend l'avantage en début de match dans cet affrontement. Boxeur. Non, ça voilà, c'est pas ça, bon. C'est et ça c'est les punitions ça, c'est que j'aime. Voilà. Ça c'est les punitions que j'aime parce que pas là ça va passer en intégralité parce qu'il y a quand même un recover à la fin du dragon et que l'ultra peut placer au sol. Ouais, et à ce moment-là, ça fait très mal. Ouais. Voilà, tu bouffes ça réellement en intégralité et ça c'est bon. Égalité pour les deux adversaires, léger avantage à Mago pour le moment qui a un tout petit peu de barre de vie et les barres de super bien plus chargées, d'autant plus qu'il a son ultra encore là. Petite focus au pif et ça peut en être terminé. Balle de match pour celui qu'on appelle les entières, le dieu de la Mago, quoi. Ah oui, bah lui il a un dragon, il a un dragon, il a un dragon une fois sur deux. De temps en temps, peut-être. Après, le saut de boxeur n'est pas un saut qui non, va très très haut non plus. Allô, je vais sauter. Ouais. C'était quand même quelqu'un du bout de l'écran quand même celui-là. J'avoue, faudrait en parler à Kongster. Ouais. Pour savoir ce qu'il en pense, mais je pense qu'il y aurait eu des halos là quand même, à mon avis. Ça se regarde, ça veut même pas attaquer. Mais en fait, là, ils essaient de dire qu'il sait qu'il avance en vie. Et je recule, et je fais Direka. Et le prend ! Je veux un plan caméra sur les joueurs. Plan caméra sur les joueurs, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'ils font ? Ah, c'est dommage, c'est vraiment dommage. En plus, il fait la weed pose où il se fout bien de sa gueule. C'est tellement divin. Balle de match pour Perel Barog, encore une fois, sur une petite, encore un X overhead, hein. Encore un X overhead,
qui rentre peut-être un peu trop souvent maintenant. Non, mais là, je te dis, en plus, ça clignote. Qu'est-ce qu'il fout sur Mago, qui est un tout petit peu trop frigo pour ce CEO. Une fois sur deux. Ben oui, mais il préfère peut-être les mettre lorsque c'est son adversaire qui est dans le coin. Attention, ouais, parce que Rogue, il a toujours montré qu'il était très très bon dans ces situations de coin, même si là, il est en train de subir un petit jump console juste pour se sortir de là. Et le 2LK, oh, ouais, qui a juste terminé dans la garde, aurait pu peut-être faire autre chose, hein, sur cette empty jump cross-up. Essayer de sortir un dragon dans le bon sens, par exemple. Daigo aurait fait ça sur ce genre de manipulation-là. Très wish finish à la balayette. Il retourne au turnaround punch, là aussi, cherchant ce qu'on vous expliquait tout à l'heure, ce qu'on appelle le cac, le corps à corps, plutôt que de chercher les ranges où Feilong se met bien. Il est au zéro de vital, Rogue, absolument au zéro de vital. Il y a encore une ultra, cela dit. Je crois qu'il a voulu, punir plutôt que de mettre la garde. Et s'est ramassé un coup dans sa tentative de punition. Ouais, il y a un petit light punch parce qu'il s'est clairement relevé. Ouais, ouais. Il s'est clairement relevé. Et balle de match des deux côtés. Un match extrêmement serré entre deux joueurs réellement gavés de talent. Ça manquait ce match-up là quand même. On fait un petit bout de temps qu'on n'en avait pas. Ça manquait, c'est vrai que ça manquait. Il fait longue Balrog, c'est agréable. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il lui a mis encore comme dragon. Mais comme je l'expliquais et que je l'explique souvent avec Père Balrog, c'est souvent. Oh, ça c'est sale encore. Mais c'est sale. Et en plus c'est encore armor. Mais combien il en a mis? Combien? Là je suis au port pour se rapprocher. Il est déjà direct dans le coin. Ça c'est complètement lié. Mago qui fait n'importe quoi. Heureusement il n'y a pas eu d'option select là-dessus. Parce que son backdash est encore très mauvais. Et quand je dis très mauvais, ce backdash c'est pourri. Pèse sincèrement mes mots. C'est pas du tout comme ça. Le confirme de Sam Medium Kick. De loin. Par la super, magnifique. Ce que j'expliquais, et la poignée de main plus le free hug pour les joueurs Mago qui repartira quand même avec une médaille en chocolat pour aller la disguster dans sa magnifique, chambre. Le wish finish du bas gros point. Et qui se fait sortir aujourd'hui. Avec le stand MK, ouais. Sans étonnement. On n'est plus étonné maintenant. De voir les Japonais perdre aux États-Unis. Ouais, ouais, puis Mago et. Ça veut dire, c'est sympathique justement. Ah, et Mago, super, oui, même en Europe. Bah, en fait, Mago, c'est un joueur historique. C'est-à-dire qu'il a depuis 20 ans, 25 ans, tu le connais avant nous tous, mais il a toujours été très très bon, mais on voit qu'il a une limite, Mago. Il a une limite. Elle est là, sa limite. Il y a plein de joueurs qui l'ont rattrapé. Il y a du Père Balrog qui est maintenant au niveau du dieu de la 2D. Il reste au-dessus, il reste encore Kami-sama, il reste 2-3 personnes. Et donc là, je souris d'avance, puisque le prochain match que nous allons avoir est la revanche du match de Winner Bracket. Vous ne l'avez pas vu, mais je vous le dis. PR Balrog a donc sorti Kriji 2-0. Va-t-il réitérer là, dans ce match, Magneto Nico et Kriji contre PR Balrog? C'est un match évidemment pour aller affronter Momochi. Yes. En grande finale, loser, pour avoir une chance de revenir affronter Chienne, on dit Chienne. Je sais, c'est pas très beau à l'oreille. Moi, je dis Xian. C'est pas très beau à l'oreille, mais en chinois, le X se prononce Chi. Je m'en fous, moi, je lis le streaming. Et on dit pas streaming, on dit stream. Streaming, ça n'est pas anglais, ni français, ni rien du tout. S'il te plaît, maintenant, tu prononceras PR Balrog à chaque fois. S'il te plaît, merci beaucoup. Moi, je dis Xian. Xian, les gens, ils disent Xian. Alors, Chienne, c'est qui ça? Shaohai. Et on dit Shaohai. Ouais, mais moi je dis Xiaohai. mais en Chine, si tu demandes Xiaohai, je compte pas y aller demain. Ils vont te jeter à la flotte parce qu'ils vont voir que t'es pas chinois. Ah bah, de toute façon, je pense qu'ils déjà le verront un peu. Tu veux mourir dans une prison chinoise pour le restant de tes jours? Ça ne me dit rien, non. Alors tu prononces bien, s'il te plaît. Voilà, ça discute, ça se met bien. Oui, d'accord, ok. C'est pas aussi chaleureux qu'avec Mago, par exemple. Oh, si, il s'adore. Ouais, je pense. Oh, oui, oui. Il y a même un enfant qui est en bas âge. D'accord. Tenu par les deux. Va s'appeler PRG. PRG, ouais. PRG. C'est un rappeur, ça. Oh, ouais, bah lui, il a une destinée toute tracée. Le match en revanche du match de Winner Bracket avec Kriji et PR Balrog. Donc, et l'inconnu, c'est est-ce que Kriji va reprendre encore aussi cher est-ce que le match-up est déjà un peu horrible pour Sakura. Enfin, là, c'est vraiment un match-up pour Balrog, je pense. C'est compliqué, on va dire, d'approcher. Ouais, mais sur les mises au sol, c'est pas si dégueulasse. Bon focus. C'est level 2, hein. C'est même pas counter hit. Hein. Ouais, c'est ça qui est quand même assez sale parce que je crois que. Elle aurait pu même passer counter hit. Ouais, bah, gros point, pourquoi tu sautes? C'est pas possible. Rock qui reprend immédiatement ses distances, mais qui rend la balayette de façon assez instinctive.
mais qui n'a pas essayé d'entière ici. Alors, je rappelle que vous avez deux entières quand même avec, avec Boxer. Vous avez le bas gros point, mais vous avez aussi le Sten moyen point qui peut aussi fonctionner, sort peut-être un tout petit peu plus rapidement et pas la même hitbox aérienne. Vous punissez pas la même chose, mais lui prend encore le reset américain. Décidément, vla, vla, vla. Oh, il a complètement refait le pounce, mais c'est pas bon, c'est pas bon. Le setup est pas bon à la relever. Il gave de barre, Krigi qui piffe. Oh, par contre, vous avez vu entre le premier et le deuxième hit du Dragon Yek, c'est lui de la chance. Il y a eu un petit trou qui lui a permis de mettre la garde. Non, mais c'est. Ah oui, oui, d'accord. Oui, il a fait de trop loin son Dragon Yek. Oui, exactement. Coup, il a touché de trop loin. Les hitbox un peu bizarres parfois de Street Fighter 4, vous êtes pas sûr. C'est pareil avec les Yeksatsumaki. Des fois, il y a un hit qui touche, ensuite il y a la garde là, au milieu. Tu sais pas trop pourquoi, mais il y a un genre de coup qui arrive quand même comme ça. Très bon focus, très bon backdash pour éviter la focus ici. Et Rock qui semble confirmer qu'il domine. Bon, par contre, il a pris ce gros point nature. Ouais, une sale mise au sol à 30% de barre. Ouais, c'est focus backdash. C'est quand même pas du bien. En plus, c'est le genre de combo qui te gave de barre de, qui c'est te gave pété, de barre de super. Après, gros point Tatsu. Ça pour l'ultra mieux des Link. Mais en passant son pif, Pierre Balrog, mais enfin. Et bien, il a mis la garde. Comme il y a eu un gros raté, que visiblement l'input a été tapé trop tôt. Lorsque vous tapez l'input trop tôt, l'input ne sort pas. Ainsi, vous pouvez réagir en réaction sur le freeze de l'ultra et mettre votre garde. Très bon turnaround punch là-dessus. Pouh, petit trop turnaround punch, il n'y en a absolument rien à foutre. Mais non, encore une fois, le bas gros point qui va punir. Non, ça en revanche, tu ne me la feras pas une deuxième fois. Il est habillé de jaune. C'est Crazy le chevalier d'or. Une attaque ne marche pas deux fois contre lui. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah là, on peut te le confirmer, effectivement. Il n'a pas pris l'overhead quatre fois comme Mago. Alors que Mago l'a pris quatre fois. Alors que Mago l'a pris quatre fois. Je sais pas ce qui lui est arrivé à Mago, là, mais... Oh, la régie, il faudrait vraiment tourner la caméra, parce que là, on a un plan... Non, c'est bon, continuons sur le... Il veut pas, tu demandes, on arrivera à le prendre. Ah, d'accord, ok. On arrivera. Ne vous en faites pas. Allez. Décalage gros point, c'est un très bon décalage et l'avantage est repris par Krigi. Oh, attention, parce que ça peut être le match du guac. Ça peut être le match du guac complet. Il sort pas du coin, Rogue. Double Yeksatsumaki. Il en a rien à foutre, même s'il réussit à sortir du coin. Il reprend le focus level 2. Pif Et 1-0. Il gère très mal ses mises au coin de Sakura. Là, Pierre Balrog, il se fait trois fois qu'il la met au coin. Ça fait trois fois qu'il se fait sécher comme un. Comme un faisant là. Alors que d'habitude, il est bon quand il met l'adversaire au coin là. Mais Sakura, je sais pas ce qu'il fait. Le G de Krigi, c'est pour Guac. Chris Guac. Là, il est en train de. Chris Guac. Il est en train de le mettre là pour le moment, le Guac à PR Rogue. C'est la cruauté des loser brackets. Je me plains toujours de ce genre de format là. Mais si tu gagnes 2-0 en winner, tu envoies ton mec en loser. Si tu le rencontres en loser et que tu perds 2-0, t'es éliminé. Alors qu'il y a 2-2. Ouais, mais lui a perdu. Il y a que 2-2. Et t'es éliminé, c'est-à-dire tu continues pas le tournoi. Alors que lui continue son chemin, même s'il a perdu contre toi. C'est vraiment qu'il y a des points qui sont beaucoup plus importants que d'autres. Il est en train de le dominer avec toujours ses décalages de coins et l'utilisation de la portée du bas moyen point qui est réellement, réellement maîtrisée. Par Rogue, Dash avant chop. C'est Dash avant chop, c'est petit step chop. Et ça meurt pas sans son pif aussi là. C'est dans la garde, elle était mort, voilà. Dash Tlito. Ça c'est déjà mieux géré comme mise au coin. Il prend son temps, il rush pas avec des sauts inutiles. C'est la pression que peut mettre Boxer dans le coin qui est une pression un tantinet fictive en fait. C'est assez étrange de voir ce genre de maintien de pression. Ouais, c'est ça, mais il y a pas de mix-up devant derrière, tu c'est vois. Pas une pression, c'est que tu mets le mec. Il y a même pas de mix-up au bas. Non, je le rappelle. Non, il y a rien. Non, c'est tu utilises les options défensives de Boxer pour garder le mec dans sa cage. Il y a bien un moment où le mec, il faut qu'il bouge. Bah oui, voilà, et s'il bouge pas, tu le chopes. Ça prend 40 secondes, mais tu le tues. Voilà, mais il faut pas foncer dedans. Et surtout pas le laisser sortir du coin. Pas comme ça, par exemple. Il y a un bon setup là. Il y a un bon setup. La garde est bonne hein, sur ce saut petit pied, il me semble, mais prend la fin du Yeksatsumaki. Fait dash arrière, pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Le setup de ce gros point. Lui, il l'a gardé, mais il prend le décalage. Il essaye de bourrer, à mon avis, close gros pied là-dedans. Mais il a tort. Il a tort. Oh, la balle de match pour Krigi. Ah, ça peut être le match. De la salière totale, ça. Parce que si Rogue se fait sortir 2-0, ça va très très mal parler. Très très mal parler. En tout cas, il rate pas ses combos, Krigi. Ça, c'est la seule chose que je peux vous dire. Il est en parfaite maîtrise pour le moment de ses combos. Pouf, Dragon Pif, on a 3 barres. Et ça chope le X Dash Hopper
En reversal, très bon standard punch, évidemment qui touche counter hit et qui casse la focus. Encore une fois, le startup du ex Dash Hopper qui est cassé. Pourquoi est-ce qu'il essaye de faire ça au corps à corps? Ça n'a pas vraiment de sens hein, ce qu'il est en train de faire. Rogue, après, encore une bonne chope déchopée avec le décalage de MK. Mais quand c'est le Tatsumaki, hein, ce qui lui évite de sortir la mauvaise manipulation de Hadoken ou de Dragon parce qu'il était en train d'avancer, il ne savait pas trop. Et là, il est sûr de pouvoir revenir dans la tête de l'adversaire, même si c'est deux MK Tatsu, ça ne fait pas combo. C'est juste le corps à corps qu'il cherche absolument pour frame trap. Et la portée du Stanley Punch, hein, sur lequel part énormément de combos. Attention à pas trop tester, puisque la portée du Stanley Punch de boxeur n'est plus à prouver hein, non plus. Évidemment, un boxeur se doit d'avoir un très 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 bon jab. On connaît des boxeurs qui ont contrôlé le monde juste avec leur jab, 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 jab. Ça va faire mal, ça, encore une fois. Le Shinko Hadoken ne va pas tuer. Il y a trop de damage reduce, mais c'est surtout ce qui va arriver derrière. Dash, 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 4 dash. Tatsumaki pour maintenir le Blockstone. Et il a fait Stanley Punch, le temps de recover et mettre la garde sur le EX Dash Low. Et bah, gros point qui repousse quand même un tout petit peu, c'est pas bon! Heureusement qu'il a pas Whiff Punisher, il aurait utilisé Bam Medium Kick, je pense qu'à Whiff Punisher, il fait n'importe quoi, Père, bah, alors il a utilisé toutes ses barres de Hex avec juste des trucs d'enfant! Bah, gros point là-dessus, non, c'est réellement peut-être un jump out plutôt qu'un jump in, fallait peut-être pas essayer de bas gros point, il y avait peut-être des counter hits, par contre là, il est saut, il est pas bon, il perd! Ce nouveau combat aérien, et bien voilà, il est là, il y a de quoi être dégoûté. Il y a réellement de quoi être dégoûté. Ouais, je sais pas. Non, mais il l'a mérité celui-là. Il a, ouais, il a fait n'importe quoi. Mérité. Ce bah, y a pas, c'est pas vraiment du n'importe quoi, mais disons que. Non, mais là, il fait 3 dash nature sans combo, sans rien. Tiens, je vais te proposer un overhead. Puis là, je te repropose. Enfin, il y a peut-être un peu de fatigue dans son jeu. Ouais, puis il a fait beaucoup de sauts, il a pris beaucoup de bas gros points sur des sauts cross-up avec boxeur, ça n'a rien à voir. Tu restes au sol et t'attends, quoi. Il était pressé, peut-être envie de pisser, ou je sais pas. Non, je pense pas qu'il ait envie de pisser. Non. C'est pas ton analyse. Non, moi j'analyse que mon avis d'expert, c'est que Père Valor avait envie de pisser. Ton analyse, ouais. Ça c'est ça. Ouais. D'accord. Peut-être. Moi, mon analyse, je dirais que il a perdu. Ah, c'est pertinent ça. Ouais. Merci Sherlock Holmes. Ouais. Je pense. Hein. Après, on peut regarder le match. Hein. On peut revoir, refaire une autre analyse, mais je pense. Mais je crois qu'à un moment, il avait plus de vie. Et que du coup, il a. Ouais. Je pense qu'à un moment, voilà, il avait plus de vie. Voire même que Krigy a gagné, du coup. Je pense que. Ouais. Tu arrives jusqu'à dire que Krigy a gagné. Bah, l'analyse est plus fine en disant que Krigy l'a gagné. Ouais. Ouais, non, c'est pas vrai. Non, mais Tekken Bogard, hein, je peux rien dire. Hein, c'est... Bah, c'est ça en même temps. C'est l'expertise. Ouais. Hein. Final loser bracket avec le match entre Momochi et Krigy. Et est-ce que l'écran va se mettre à laguer? Je ne sais pas, moi. Je ne sais pas, je ne dis rien. Est-ce qu'ils ont changé d'écran entre-temps? Oh, est-ce qu'ils ont changé d'écran? Est-ce que l'écran va se mettre à laguer? Je ne sais pas. L'écran pourrait se mettre à laguer, hein. Attention, attention. Momochi face à Krigy, c'était vraiment une très, très, très grosse affiche. Le vainqueur affrontera évidemment Chien. Est-ce que Momochi va pouvoir prendre sa revanche ou est-ce que Krigy va essayer de dominer totalement l'intégralité de ce CEO et le remporter? Sortir Chien, ça ne va pas c'est être... C'est fort quand même d'aller gagner Marvel, d'aller gagner Injustice et d'arriver en demi de Street. C'est... Ça faut, me faut fait... noter la performance quand même. Hein, ça c'est... me fait con... complètement flippé ce stage avec ses costumes. On dirait qu'ils sont tous dans un asile de fous et qu'ils ont des camisoles. Ouais, il manque un skin camisole. Ça fait flipper, sincèrement. Les mecs, mettez un peu de couleur dans nos vies, égayez-la. C'est mort pas sans ton pif, les gens ils sont là pour se divertir, ils sont en vacances ou alors ils rentrent du boulot, ils ont une journée de merde, pas sur ils Gaming TV. À Japan. Voilà, ils sont allés à Japan, ils ont donc une journée de merde et ils en peuvent plus, ils veulent se détendre, arrêter de prôner la tristesse comme ça. C'est pas bon. Pouah, cette focus avec donc là je parle vraiment des imbloquables hein, sur Ken, ce match-up, il est favorable à Sakura, ne plus quoi savoir en faire, ça marche pas dans le coin, mais ça marche dans le coin quand même. Il a raté son link send la kick. Et l'écran tu remarques qui se met à laguer. Tu remarques qu'il était absolument pas à distance du light kick. Hein. C'est juste pas une voilà, question de frame. Hein, c'est ça. De distance, hein. C'est juste que ça marchait pas en fait. Oui, le ça combo. Marchait pas en fait. Le combo marchait pas. Donc, l'écran qui se met à laguer. Le voici. Je vous l'avais dit, quel l'écran sac. Va se mettre à laguer. Hein, c'est sûr et certain. En tout cas, il y a un très très gros lag. Beaucoup d'écrans qui lag hein, sur ce premier round. Et Krigy qui donc s'incline, évidemment, un combo raté. C'est le whiff punish à l'ultra. Il n'a pas le temps de toute façon, Momochi. C'est le genre de mec. Ouais, très belle mais focus. C'est la deuxième quoi, fois qu'il fait but, ça. Et là, il backdash dans son combo. C'est-à-dire qu'il hésite à faire son combo. Il est en train de se mitonner lui-même. Non, je crois qu'il n'avait rien là. Il était trop loin pour mettre light kick après. Ouais, franchement, je sais pas, c'est bizarre non, quand même. Il est trop loin.
Mais à ce moment-là, il n'y avait pas vraiment de raison de backdasher, puisque... Ah, tu crois du pressing, tu as raison, si, c'est du pressing. Sinon, un adversaire le sait aussi, oui, oui. Momochi semble être au courant. Tu backdashes pas, tu maintiens le pressing, puisqu'il n'y a aucune chance de te prendre un dragon. À ce moment-là, très beau zoning de la part de Momochi pour le moment, qui maintient une légère avance à l'énergie. C'est quand même assez tendu, Kriji a focus un tout petit peu, par contre, il retombe dans ce Hadoken, Karachop. C'est la mise au coin, est-ce qu'il y a un bon setup là-dessus? Non, il dash en avant pour éviter le soleil kick. Pourquoi il donne le coin? Et c'est pour prendre quand même un dragon ici au milieu de tout et n'importe quoi. Yexatsu Maki, oh là-bas. Et tu ne pourras pas t'enfuir. Joli. De ça. Chez Kemat. Le dragon qui te rattrape. Julien Clerc. Oui, j'ai reconnu le style. C'est... Tu reconnais Julien Clerc? Oui, bien sûr. Pour tous les jeunes qui ne connaîtraient pas Julien Clerc. Demandez c'est pas grave. Demandez, c'est pas... c'est pas demandez grave. À vos parents. C'est pas grave. On est des vieux cons, nous, ici. Allez, encore un bas gros point et un gambit d'ouverture de la part de Momochi qui choisit quand même ses ouvertures. Voilà pourquoi et j'ai il joue à cette distance depuis tout à l'heure. Que c'est quand même beaucoup le jeu japonais. Hein. Avoir des ouvertures choisies, des ouvertures qui peuvent à la fois te faire saigner ou faire saigner. C'est bizarre parce que c'est une façon d'emballer le match dès le début et pas de s'endormir. Voilà, c'est ça. C'est des choix assez agressifs. Nous, on a un peu l'habitude de voir backdash au début. Hein, à la française. Le fameux double backdash d'entrée de jeu. Double backdash sous le spark. Ça, double backdash sous le spark, ouais. C'est une entrée originale. C'est la française. Pff, tellement stylée cette française. Fait tellement vibrer. Ah, il a voulu whiff punish avec Bamidium Kick, c'était assez intelligent. Soit whiff punish, soit le faire whiffer, tout simplement, avec son Bamidium Kick, il va se faire rattraper ici. Je crois que c'est en 3, le dragon cancel est juste pour là. Hein. Utilise 2 barres à ce moment-là, très belle mise au sol, parce que ça touche dans les airs. Et ça, c'est un décalage pif. Je valide ce pif. Décalage pif à la relève. Oui, à la relève de l'autre, toi ça, c'est qui te... Voilà, ouais. C'est toi qui te relève. Mais c'est moi qui pif, comme dirait Monsieur Karaté. Gambit d'ouverture, deuxième phase, et 40% de barre, direct dans les dents de Momochi. Il va peut-être comprendre, décalage gros point, qui, même si le tu stun, as gardé... 70%. Tout ça, c'est stun juste derrière. Ça lag, l'écran lag. Il y a absolument trop de lag sur l'écran, c'est impossible de faire les combos, comme vous pouvez le voir ici. Perfect, oh non, il a raté, et le voilà, l'écran qui lag. Justement, juste ici, et le perfect est accusé. Est-ce que Momochi va lâcher? Il lâche pas. Allez, le gars, il t'aime, il est parti, dragon. Ah, il y a Karachop, trop de recover. Karachop, beaucoup trop de recover. Et ce soir hier, bien pensé, hein, il peut en piffer plusieurs des soirs hier dans ce genre de situation. Kriji, regarde. Il est en train de dire, mais l'écran lag. Mais non, faut mettre bas gros point, pas Laiki qui lui dit, c'est qui Flash Metroid? C'est qui? Je connais pas celui-là. Je connais pas bien la scène. C'est Jay-Z Ace peut-être. Jay-Z Ace, yes. Non, je ne sais pas. J'ai une très mauvaise mémoire photogénique. Du match un peu américain. Oui, la scène américaine, au bout d'un moment, je commence à l'intégrer, mais je ne connais pas jusqu'au top 32. Voilà. Excusez-moi, c'est méchant de dire ça. C'est quand même très méchant. Non, mais c'est comme ça partout. Hein. J'ai confondu Norel Brand et Sanford Kelly. D'accord. Sanford Kelly, on connaît sa tronche quand même. Ouais. Tu vois, ouais, effectivement. Des histoires hein, sur Noël Brand, justement, puisqu'on on est qui dans le. Qu'il ne viendrait pas à l'Evo et qu'il est très, très fier de ne pas y aller. On en est à parler des nouvelles coupes de cheveux, du book. Maintenant, on va parler bien entendu, People. Ouais, hein, je crois que Sam Sorkin a couché avec la femme de. Voilà, c'est ça. Ouais, il y a eu des histoires avec son ex qui a couché avec quelqu'un, du coup, ça lui a pas plu. Ouais, voilà. Du coup, là, il a mis des torgnoles à tout le monde. Ils ont joué leur meuf en MP3. Il y a eu torgnoles, lariat, il y avait tout ce qui se passait. C'était quand même très 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 sale. Et Momochi donc qui revient à un partout, les histoires, la Fighting Game Community, et Marlard qui va encore dire que les joueurs de jeux de combat ils tapent sur leurs femmes. Donc là vous voyez, typiquement soit ils jouent plus loin que le BMK, mais vraiment plus loin que le BMK pour pas que Sakura puisse en faire et du coup il peut la zoner, soit ils se rapprochent totalement pour qu'ils puissent pas faire de BMK. Là on voit bien cet exemple là. C'est assez difficile de gérer. Moi, j'aime pas trop le jeu de Ken au corps à corps. Il est beaucoup plus à l'aise à mi-distance cela. Bah parce que t'as toujours le avant MK pour te rapprocher. Il y a ça, il y a ça, il y a Karachop. Il y a un pas trop mauvais Momentum Kick. Il y a un Stand Medium Push qui est pas dégueulasse. Alors, pourquoi prendre ça? Oh là 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 là. Et oui, ils finissent bien, quoi. C'est mais je referai de toute façon. Alors, sachez que les tutos.
tutos de Street Fighter 4 sont parus sur O-Gaming. Le premier tutoriel vous parle de l'intégralité du système de jeu, sans parler de la shop. J'ai oublié de parler de la shop, mais c'est vrai ouais, que mais tu parles la shop, direction, c'est, du, enfin, c'est, tu auras c'est de, vraiment boutons. De la base. La shop, c'est niveau 2, quoi. Voilà, shop, c'est niveau 2, exactement. Et le prochain, donc, qui paraîtra la semaine prochaine, c'est lundi, je crois que ça paraît, tous les lundis, eh bien, sera un tutoriel sur Ryu. Voilà, on va prendre tous les persos de, je vais prendre tous les persos de base au début. Tu fais quand, jury? Ah, 40 semaines. C'est vraiment pas un perso de base. Ouais, c'est vrai, c'est vraiment un perso de base. Vraiment, vraiment pas un perso de base. Mais bon, ça sera semaine 39 ou 37, je super, pense. Super, sur 39 voilà. persos, c'est génial. Ouais. C'est ce que tu penses du personnage. Que... Je fais la tier list, ouais. en fait, hein, comme ça. Donc on commence par Feilong, alors il a tout, voilà, perso suivant. Non, mais après arriveront Zangief, arriveront Guile. Et ah, puis, c'est les archétypes ensuite, du jeu, voilà, l'archétype de la défense, voilà, l'archétype c'est du Delsimonda aussi, ouais. parler des piano input, parler du jeu de loin, des persos de chip, etc. C'est important. Et ensuite, après, tous les tutoriels que vous allez voir sur les persos, on va dire, de base canonique, eh bien, vont vous servir pour d'autres personnages. Ouais, en quand fait, tu fais DJ, tu te rapproches voilà. de Guile quand tu te fais. Voilà, etc. exactement. Tu peux parler du même genre de truc sur pas mal de persos. Ouais, très bonne Karachop ici. On revient au match. Hein. Je suis désolé pour cette légère digression. Ça campe depuis une heure et demie, là. Ça campe depuis longtemps, c'est vrai. Mais Krigy a l'avantage au point et Momochi essaye de grappiller comme ceci. On n'a pas revu la console laguer pour le moment. Ouf, c'est bien joué le bas gros point ici. Et ça boit les dragons avec ça. Quoi quand c'est ça lag. Et voilà, bien entendu, ça lag. Hein, il a appuyé trop tôt puisque son coup n'est pas parti. Mm. Ça veut dire que si ça laguait, il aurait dû sortir trop tard. Et là, c'est parti trop tôt, donc ça ne peut pas laguer. Non mais je suis expert, on les a toutes faites en tournoi, tu vois, ça lag machin, j'ai tout analysé, si tu frappes trop tôt, c'est que ça lag pas. Non, si Krigy rate un combo, c'est que ça lag, ouais, ouais. c'est que ça lag, c'est obligé. Hein bon, on a un joueur de chez nous, un joueur du canapé qui a le même genre de... Oui mais il me fait plaisir, il va à l'Evo, oui, et c'est un de nos meilleurs joueurs, ouais, et s'il m'écoute ici, eh bien je veux le dire ce soir, on sera un fanboy on vendredi est prochain. Tout, voilà, on est tous derrière toi, bourre-les tous sa mère, mais du perfect, merci hein, voilà. de sortir de chez toi, même si tu as essayé de le camoufler, je ne sais pas, tout le monde le sait, une et on est à 100% winner, derrière toi, comme toujours, une finale tu le sais. Alioune contre Luffy là, ce serait parfait, nous on voilà. que ça. C'est ça, voilà, très bien. En mode canapé. Elle est en train de lui faire très très mal à Momochi. Je le vois mal revenir. Je sais pas, parce qu'il n'y a réellement pas eu de comeback de Momochi durant ce match-là. Il se tente le saut avec Sasumaki pour chercher Blockstone directement. Qu'est-ce qu'il prend ça, Krigy qui va tenter peut-être de revider la barre de super de Momochi. Enfin, la barre de vie, pardon, de Momochi. Décalage de Lucky Momochi qui garde. C'est étonnant ça. Le mec, il garde. Mais non. Il a une punch, il repart. Bah, c'est pas possible. Non, mais alors là, depuis là, Krigy l'a bugué, hein, fait. Ah merde! Regarde. Qu'est-ce qu'il peut faire? Ouah, mais t'es sérieux? Ça lag! Mais t'es pas sérieux! Mais rassis-toi! Sans déconner, rassis-toi, je te mets une torgnole! Mais même lui, là, Jason Statham, il a envie de lui mettre une torgnole aussi! Oui. Et parle bien à Statham, toi! Hein. C'est vraiment. Parle bien à Statham! C'est mais t'es pas sérieux? Tu joues sur cet écran depuis Mathusalem! Allez! Y allez, Dazé! Voilà, Momochi, c'est qu'il a gagné, globalement. C'est n'importe quoi, c'est bon. Il est effondré mentalement. Oh, lui, en mode full guac. Ouais, ouais. Il n'y a plus rien à faire de lui. C'est pas normal, je rate mes combos. Il a gagné Marvel versus Capcom en dropant rien du tout. C'est que du combo, ouais. Arrêtez ça. Allez. Oh, il a plus envie de jouer. C'est la PS3. Oh, il a plus envie de jouer, ouais, c'est ça. Il fait de la FK debout, là. On le voit complètement. Regarde, oh là là, il campe. Voilà. Et bah voilà, c'est Chris Guac. Bah, okay. C'est Free. Hein. C'est complètement Momo Free. Il a plus rien à faire. Bon, encore les focus. Ça, c'est bon. Ça, c'est beau comme combo. Il est trop loin. Bah oui. Ça marche pas. C'est ouais, tout. Plaindre, ça lag pas. Le saut petit pied est encore là. Avec le bas petit point. Die sur you. Et encore de LK. Il est en train de le pousser jusqu'au coin. Il est en difficulté. Krigy, en grosse difficulté. Il essaie de décaler Stand Light Punch. Mais Momochi l'a grillé. Et sur l'ouverture de garde sèche. Trop facile pour lui. Il n'y a plus de grattage au dragon. T'as même pas besoin d'essayer de mind-gamer. Essaye juste d'une carachop. Non, il cherche le maintien de la distance. Momochi qui joue le plus voilà. safe possible là, pour essayer de ne pas se faire voler. Et voilà. C'est comme ça qu'on joue le et coin. Et voilà. Tu mets dans sa cage et t'attends une heure. Et voilà. Et quand il tilt parce qu'il en a marre, il veut sortir, et ben il prend des counter hits. C'est fait, ça discute. 1-0 et balle de match pour Momochi qui renvoie une balette ici sur Sota Tsumaki. Momochi qui a senti une brèche dans la défense mentale de Krigy. On ne rappellera jamais assez l'importance du mental dans les jeux de combat. C'est violemment ouais, c'est fondamental. C'est pas un jeu en équipe. Tu ne te peux pas te faire rattraper par tes coéquipiers. Tu es tout seul devant l'écran.
côte à côte de ton adversaire ou face à ton adversaire, c'est préférable d'ailleurs. Et tu ne dois eh bien rien laisser paraître. Voilà, rien, absolument rien laisser paraître. Le poker face, c'est important. Après, utilise 3 barres pour ça. Momoshi qui garde, qui punit proprement, tout simplement. Il sent la faille dans le jeu de Kriji qui va juste se faire. Ça, c'est n'importe quoi. Il n'y a plus aucun sens dans son jeu. Il a tenté oui finish de 2MK par la balayette. Ça sent Momoshi face à Chien en grande finale. À présent, c'est fait. Yes. Alors la tronche de Kriji, attention. Momoshi, oh là. Oh là, oh là, oh là. Et ça hue dans le public. Et ça hue dans le public. Allez, prends ton chocolat. On les entend huer. Et puis là, du coup, bah, après la finale. C'est incroyable, c'est un joueur américain, c'est un joueur ultra talentueux, probablement un des plus grands talents que les États-Unis n'ont jamais eu. En jeu de combat, et il est détesté en son pays. Ouais, mais parce que voilà, t'as une attitude de merde. Ça compte aussi. Enfin, t'as pas de copains. Les gens ont besoin d'idol. Bah oui, mais t'as pas envie non plus de faire Magneto, copain. Magneto, match. On est super en retard. T'as pas envie de faire copain avec un mec comme ça. C'est compréhensible. Vous aussi, vous aimez Kriji sur le chat. Je le sais. Faites part de votre amour. Ça sera sûrement à un très bon joueur de Dota. Allez-y, n'hésitez pas. Si vous aussi vous aimez Kriji, tapez Kriji cœur sur le chat. Bourré de Kriji cœur, comment? Oh oui, il faut la lancer. Il faut absolument la lancer. C'est quand même censé sortir. Il y a Memory Card qui est censé être là dans 5 minutes. Alors, la finale dure un quart d'heure. Je le dis direct. T'as le temps. Ne sois pas pressé. Voilà, bye bye. Hein. Vous pouvez terminer votre sandwich. Kriji cœur, Kriji mon amour, Kriji cœur, voilà comme ça. Allez-y, balancez du Kriji cœur. Ah oui. Plus vous faites monter la dose de cœur pour Kriji, plus eh bien il vous aimera. Et pour 5 Kriji cœur achetés, recevez la figurine de Kriji dépité. Une figurine envoyée pour gaming, bien entendu. Comme n'hésitez pas. Pas content, ça serait pas mal. Ouais. Ouais. L'Evo sera là. Alors que Memory Card est en train de dérailler le mini bar. Il se passe rien, raconte-nous tout là. Ça suffit. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils veulent foutre le feu. Pendant qu'il se passe rien, rappelle-nous ce qui s'est passé avec White Black. Voilà, exactement. Aujourd'hui, donc vous savez, Kriji qui domine la scène américaine à Marvel versus Capcom, eh bien a perdu le B2, n'a pas perdu depuis je ne sais pas, trop d'années, et il a perdu aujourd'hui le NCLR, je sais pas exactement ce que ça veut dire, mais c'est un tournoi encore une fois à New York, donc deux tournois à New York qui ont eu lieu mercredi et jeudi là, et il a été sorti par White Black, donc il est parti une semaine avant aux États-Unis français, histoire de fermer. Exactement, Virgil Taskmaster et Messi, allez s'il te plaît, aide-moi. La Phantom Dance, le méchant de Resident Evil, Wesker, merci. Plax qui est totalement pas présent, mais mais qui m'a quand même aidé. D'accord. Et White il Black a tué. Et donc lors du dernier tournoi américain, nous avons White Black qui a remporté le tournoi face à tous les Américains et Frionel qui a remporté le tournoi KOF face aussi à tous les Américains. D'accord. La prochaine étape, eh bien, c'est la Californie, juste avant l'Evo. On va voir. Mais c'est intéressant parce que déjà les joueurs se mesurent au niveau californien. Quand il était parti aux États-Unis, il avait déjà torché un peu tout le monde à Marvel, voilà. Et où il s'était fait respecter à Marvel, et on sait que White Black et c'était complètement fait respecter à Marvel. Le White Black est un petit peu le grand au-dessus, le grand godlike. On rappelle, et là, on rappelle les mots de Philippe Nochamp, vainqueur de l'Evo. Ouais. This guy has the best Morrigan I ever seen. D'accord. Il avait dit. Hein, okay, c'est bon, j'ai bien dit. Sympa, ouais. Hein, tout à fait. Ouais, bel accent. J'ai bien dit. D'accord. Nice voilà. Accent. Il avait la meilleure Morrigan qu'il n'avait jamais vue. Ouais, White Black est le petit cran au-dessus. Et ben voilà. Je ne sais pas ce que prévoir, mais je suis sûr que White Black et Alune ont collé de toute façon ensemble. C'est quasiment sûr. Ça n'a pas de sens de ne pas se préparer ensemble de toute façon. Oui. Et comme je dis, ça étonne un peu les Américains qu'on mette la garde. Donc, France Hype, le jour de l'indépendance américaine, les Français remportent les tournois aux États-Unis, les tournois pré-Evo. C'est là où on peut tester un peu le niveau. Croyez-moi. Ça, alors après, l'Evo, c'est parce cruel. En dehors de. Est-ce qu'il lui a fait un toucher testiculaire là ou c'est moi? Tout à fait. C'est dégueulasse. Un toucher de la sandale. Ah, c'est dégueulasse. Il y a des Japonais qui ont rattrapé le niveau à Marvel ou c'est encore un petit cran en dessous?
C'est un petit cran en dessous puisque on a vu Kazunoko se faire bien éliminer violemment par ouais. Justin Wong au SEA. Et donc, ici, si tu bats les États-Unis, tu bats le monde. Et ici, aucun Japonais n'est dans le top, ni Mago, ni rien du tout. Je vois peut-être le meilleur Japonais n'a pas encore. Oui, ça fait mal. Oui, ça fait mal. Ça fait très, 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 très mal. De petite imbattable. Chien qui domine et qui prend le premier set. Oui, je disais donc, c'est la grande finale. Hein, c'est la grande finale de ce tournoi. Rassurez-vous, je vais mettre les watts un peu après, mais comme on n'a pas le temps, il y a Memory Card juste après, je dois absolument parler du blabla en même temps que du match, comme ça vous faites un peu moins chier. Je disais juste que le meilleur joueur japonais à Marvel, c'est Nemo, et qu'il n'a toujours pas foulé le sol américain. Ça sera la surprise. Notez que la poule de Nemo à Marvel, il y a Flo, et il y a Mike Ross quand même à l'intérieur. Il est pété, ouais, donc. Oui, non. Okay, parmi 1400 joueurs à Marvel, tombes dans Flo et Mike Ross. Il y a 1400 joueurs à Marvel. Il y a 1400 joueurs à Marvel. 1600 à Street Fighter. Ouais, c'est plaisir. Ils sont 4 ou 5. Ouais, donc du coup, en gros, en attendant de connaître le niveau de Nemo, White Black, qui bat les États-Unis, il bat le monde en fait. En battant Crazy, t'es sûr c'est de. C'est ça. Après, je te dis, l'Evo, c'est cruel. C'est vraiment très, très cruel. T'as vite fait de perdre. Ouais, mais n'importe qui a vite fait de perdre. C'est un jeu où tu peux te prendre des bad beats comme ça, Marvel. J'ai pas vu souvent des vols ou des. Mais Marvel, c'est le jeu du vol absolu. Ah bon, il y a X-Factor level 3. Il y a X-Factor. X-Factor, elle est chère. Hein, au gaming, elle peut pas la payer, la X-Factor. Donc 1 400 € le billet. Payer la X-Factor au gaming, je vous dis, il va falloir plus que les recettes publicitaires pour payer la X-Factor. Okay. Et Chien qui continue à dominer ce match, qui est comme la finale winner finalement, en total avantage pour le joueur de Singapour. Et puis alors, depuis tout à l'heure on blabla, mais ce qui nous fait de plus par rapport au match de Winner Bracket, là on est en grande finale, c'est qu'en plus il nous met des petits imbloquables au wall dive. Là. C'est ça exactement. Ça fait deux qu'il met là, c'est ça. Savoir qu'une des meilleures façons d'éviter l'imbloquable, c'est de faire Dragon EX et d'utiliser l'invincibilité du Dragon EX. Mais tu te fais bien retomber, non? Un tout petit peu, ouais. Mais c'est moins violent de prendre l'imbloquable. Mais donc il y a des moyens d'éviter l'imbloquable avec des coups invincibles. Il y a toujours moyen d'éviter l'imbloquable avec coups invincibles. C'est un sacrifice après. Voilà, exactement. Dans des jeux comme Street Fighter, qui sont des jeux gavés de reversal, c'est des trucs qui sont reversal invincible, je précise. Yes. C'est des choses qui sont possibles. Après, il prend encore pas gros pied ici. Il le laisse même pas prendre la voie des airs. Et là, il jouerait Ultra 2. Il mangerait. Il goûte montrait là aussi. Attention, fait une autre boule là, histoire de rigoler. Ici, à distance de focus. Attention, il est à distance de focus. Il sait qu'il doit pas faire de projectile ici. Il en a tellement pris en finale winner bracket de focus dans ses projectiles. La balayette double touche. Avec encore une fois l'avantage pris peut-être par Momochi qui a des barres. Il a de quoi. Il a de quoi peut-être sortir. Il y a quoi de tellement loin, il y a Ultra derrière, même dans le coin, c'est dégueulasse. Oh là là. J'ai tellement envie de poser mon micro et me barrer. Ça en revanche, autant gain pour tout le reste, ça va. Mais je vous jure, hein, je n'ai rien contre gain. Je n'ai rien contre gain, mais n'importe quel autre perso aurait ça. Je trouvais ça dégueulasse. Scandale, ouais. C'est dégueulasse, c'est scandaleux. C'est proprement scandaleux. On a l'impression de voir le syndrome dans 3.3. Tu mets bas moyen super, t'as gagné. Ça veut rien dire. Des confirmes sur une super qui font aussi mal, ça n'a pas de sens. C'est 600 points de dommage. Avec le petit dragon derrière. 600 points de dommage. 60% de la barre de vie. Rendez-vous compte quand même de l'absurdité de la chose. C'est violent. Et Chien mène à présent 2-0 dans ce match. Alors, pendant que ça se déroule, est-ce que tu peux nous rappeler donc les Français qui seront présents à l'Evo, s'il te plaît? C'est une question qu'on m'a beaucoup posée. La mauvaise nouvelle, c'est que Kusanagi n'y va pas. Eh oui. Puisqu'il y a des problèmes de passeport. En gros, son passeport se finit le 16 alors que le tournoi se finit le 14. Genre, il t'arrive une embrouille, tu restes bloqué aux États-Unis. Kusanagi a quand même 13 ans, donc t'as pas trop envie de laisser un voyage sans son père, qu'il était comment pour prendre de risque, bah voilà, il était mis à la disposition, enfin sous le contrôle des joueurs là-bas. Ouais, c'est ça, donc bon, c'est pas terrible. Mais bon, pour éviter tout problème, il y va pas. Donc on n'a pas Kusanagi, c'est décevant. Kayane, on a Alune, on a Luffy, on a Perplex et on a Starnab qui y va aussi. Et qui on m'a parlé de Valmaster. Ah bon, moi je sais pas du tout pour Valmaster. On m'a dit que toute la Team Red irait. On m'a parlé de Valmaster, ouais. Non, allez-vous, non, il est pas inscrit. En tout cas, j'ai fait toutes les poules, il n'y a pas de français, pas de Valentin donc, Petit. Valentin Petit n'est pas dans les poules. Donc c'est mytho. Ou alors, peut-être qu'il est en sous-marin et que je ne l'ai pas vu, on ne me l'a pas dit, j'en sais rien, mais moi j'ai fait toutes les. De mon avis, il n'y est pas. Ouais. Et donc voilà, donc, on a quand même la très très bonne nouvelle, c'est qu'on a Luffy, Alune et Starnab,
qui sont d'énormes chances de victoire tous les trois. Hein, voilà. Donc Tupac c'est... aussi. Il y a Tupac aussi. Alors moi je le crois. S'il te plaît. Je le range un petit peu en dessous, mais c'est vrai qu'il y est aussi. Donc, parle on pas ça. Rappeur. Parle pas ça encore. Tupac qui va dire encore Nettie dit de la merde sur moi. Ouais, t'as envie de te faire frapper. Non mais parce que tu as le... Je suis désolé. Je suis pas d'accord avec toi en plus. Être un cran en dessous de Luffy, c'est pas une insulte, tu vois. Mais tu mets un cran en dessous de Sarnab tous les autres, ça se fait pas. Bah peut-être pas de Sarnab alors, d'accord, mais. Bon, allez, on va dire que. Et puis tu déifies trop Luffy. Arrête de déifier. Non, Luffy. Mais il y a Lune aussi. Je donne la même chose à Lune. C'est vrai, tu déifies à Lune. Mais on a le droit de déifier à Lune. À Lune est un dieu. Ah, d'accord, ok. C'est le dieu du jeu de combat, peu... Lune. Ouais, bon, bah, tu l'as déjà vu quelque part, hein, à un tournoi. Ah, c'est ça, c'est qu'en fait, c'est un dieu parce qu'il voilà. N'est nulle part. Il n'est nulle part, en fait. D'accord. Voilà. C'est une merci. Conscience qui se balade. Non, c'est vrai qu'on a Tupac aussi. J'ai oublié Tupac. Il y a balle de match pour Chien, là. C'est très, très tendu. Tout de même. Je te coupe un tout petit peu. Ouais, vas-y. Et je veux juste voir si Momochi réussit à sauver cette balle de match tout de même. Parce que c'est extrêmement précis ce qui va se passer. Oh là 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 là. Donc, encore, il y a 4 barres. Il y a 4 barres. C'est ça, il te chie dessus parce qu'il y a 60% de barres. Oh, la boule qui a arrêté la super. Heureusement que la invincibilité était perdue, mais il a quand même réussi à le mettre cross-up. Oh, c'est pas bon ça. Il y a un blocage, bien blocage. Faut garder. Il a la garde. C'est bon, vloum. Allez, c'est repassé dans la shop. Il y a Okidze, mais juste derrière. Et avec son petit pied. Tu as parlé de tous les joueurs de Street Fighter. Tupac vient aussi, donc effectivement. Alors, ils sont tous dans des poules assez correctes, assez faciles. Tu as Starnab qui est dans la poule de Problème X. Donc, il va se taper en finale de poule, il va se taper Problème X. Ouais, c'est chiant ça aussi. Pour Luffy, il y a une poule facile. En même temps, F-Word est dans la poule de Daigo, je sais pas quoi. Il faut ça savoir, quand vous allez suivre, messieurs, dames, samedi prochain, enfin vendredi soir prochain. Luffy, donc, est dans une poule facile. Il devrait sortir normalement s'il n'y a pas d'accident facilement. Derrière, il va se taper en sortie de poule Richie Ortiz, toute logique. Après, Dark Jewa, donc le Ken chinois. Un très bon Ken chinois, vraiment impressionnant. Et derrière, il devrait se taper Mago. Voilà, wow. Ça c'est la sortie de poule de Luffy avant d'arriver dans le top 32. Ah ouais. Pour Alioune, il sort de poule, donc il a une poule simple. Il sort de poule, il se tape un random parce que la poule d'à côté, il n'y a personne de très très fort. Ouais. Ensuite, il se tape Père Balrog, très intéressant. Et derrière, il se tape Eita. Donc voilà. Non, Eita va mourir en poule en revanche, ça j'en suis quasiment sûr. Voilà le menu pour Alioune. Pour les autres, j'ai pas eu le temps d'analyser encore. Et voilà, et donc vous avez ça. Il y a une. Non, mais s'il vous plaît, non. Vous avez une autre manière d'utiliser deux barres avec Gen, hein, c'est le cancel et le combo max derrière. Mais tu as une poule intéressante par ce doigt. Tu as une poule intéressante avec Wolf Kroon et Itabashi Zangief dans la même poule. Ouais. Ça, ça va être ça. Assez croquant. Ainsi qu'une poule avec Mike Ross et Choco Blanca. Ouais, donc, si vraiment quelqu'un en a quelque chose à foutre sur le streaming de Choco Blanca, et bien voilà. On s'en fout un peu, mais. Voilà. Et je crois qu'il y a une autre poule de l'accident, une poule avec Kazunoko et un autre gros, je crois. Ouais, il me semble aussi. Donc voilà. Donc il y a quelques poules à accident. Des poules qui mais pour le, reste, pour le reste, ça va bien se passer, comme l'année dernière. C'est-à-dire que tu as l'accident en sortie de poule, tu passes de 1000 joueurs à 32, et puis là, c'est le carnage. C'est très bien joué ce Tatsuma qui cross-up IX là-dessus, il a réussi à le remettre au sol. Attention, parce qu'il est encore bientôt gavé de barre de super. Oh là 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 là. Il va avoir tout ça super pour le prochain. Donc on parle des Français. Allez-vous, d'accord? Oui. On parle donc, tu nous as cité les Français à Street Fighter. Yes. OK. Il y aura maintenant Fox, Frionel, Tom Sawyer sur KOF, je le rappelle. Il y aura White Black sur Marvel vs Capcom, qui sera épaulé bien entendu d'Alioune et de Tom Sawyer aussi. C'est une team de trois, donc voilà. Voilà. Alors Tom Sawyer, ouah, c'est encore ça, la super. Et finalement, c'est le premier du Gekiro qui fait ça. 50% de barre, tout va bien, c'est impeccable. Ah, ça fait mal ça. Il peut pas garder, je vous jure qu'il ne peut pas garder ça. Est-ce qu'il y a resetup derrière? C'est grave, deuxième imbloquable, il est en train de se faire imbloquabiliser. Devant, derrière, à droite, à gauche, il n'y a pas de main game, faut arrêter ça. Arrêtez-moi le massacre, je vous en supplie. Momochi qui a saigné, Momochi qui ne réussit même pas à placer sa focus ici, level 2. Et Momochi qui va mettre un pied à terre, il y a pas de match pour Chien. La balle de machines expéditives mise au sol, balette à l'enlever, c'est autopif. joli. Et Momochi qui s'incline, Chien remporte donc ce CEO.
Numéro 259, je sais même pas c'est de quoi le numéro, mais le dernier Road to Evo aux États-Unis. Momochi termine deuxième, Kriji termine Gwake, quatrième, on a donc Père Balrog, et donc tous ces joueurs vont être sidés pour les Vos, sont sidés pour les Vos, c'est pour ça que les poules sont sorties uniquement que la semaine dernière. Fin du magnéto, Nico, si tu es là, juste pour dernier coucou. Donc, vous le savez, il y a eu un communiqué officiel sur la page Fando Gaming. Il n'y aura pas de retransmission en direct de l'Evo cette année. Cela pas dit, de direct. On vous prévoit quand même quelque chose. J'ai deux idées. Je peux vous en parler ici parce que j'en ai rien à faire et que de toute façon, Memory Card n'attend pas. Salut. Je suis désolé, Plax. Je suis désolé. La première idée, c'est de commenter quand même en direct. C'est-à-dire, on fait un plateau, on fait tout, on commente en direct. Rien n'est diffusé parce qu'on n'a pas le droit. Et on vous rediffuse ça quand vous levez. C'est-à-dire, parce que les Vos, je vous rappelle que c'est de 19h du soir à 6h du matin. Et vous n'avez pas forcément envie de coltiner toute la nuit. Peut-être que vous avez envie de dormir et que vous n'arrivez pas, justement, parce que le truc dur, c'est qu'il faut tenir réellement jusqu'à 6h du matin, parce que c'est là où il y a les trucs intéressants. C'est ça. Vous n'arriverez peut-être pas à survivre. Eh bien, O-Gaming fera des rediffusions du direct, donc ça sera les véritables conditions du direct, avec probablement des invités ici. Voilà, première solution, juste après, donc ça commencera à mon avis vers midi. Et 12 heures après. Voilà, ça commencera vers midi. De midi à 15h, juste avant les LCS de MDR, eh bien, on pourra, vous pourrez vous déguster de l'Evo pour recommencer encore et le samedi, et enfin pour toutes les phases finales le dimanche. Ça, c'est la première idée. Deuxième idée, on fait un very fast différé, c'est-à-dire qu'on enregistre tous les Vos et on se saigne pour ne pas être spoilé, ce qui est absolument impossible. Voilà. On ne cache pas qu'on va privilégier la première solution. On commande de la VOD avec un format un tout petit peu plus court, et en revanche là, à mon avis, beaucoup moins d'invités. Ouais. Par contre, ça sera plus concentré, il y aura peut-être plus de punch pour vous. Exactement. Donc, on voit ce qu'on fait entre les deux, mais de toute manière. Mais j'en ai rien à foutre, les organes, les Vos me l'ont mis à l'envers, je veux leur mettre à l'envers aussi. Donc soyez nombreux pour regarder l'enculeur, ça. L'enculeur enculé. Montrez-leur qu'on n'est pas 300 pélos en France à regarder du Street Fighter, mais qu'on est tout au gaming, parce que de toute manière, c'est un spectacle énorme. Ce qui se passe la semaine prochaine, c'est donc c'est 1500 joueurs, j'attends évidemment votre soutien. Monceux. Vous ne connaissez absolument rien au jeu de combat, c'est pas grave. L'Evo, c'est de la hype, ce qu'on appelle la hype. Je sais pas si vous connaissez vraiment ça, la hype, ce que c'est réellement. De l'ambiance. Hein. C'est l'ambiancement. C'est que de l'ambiance, c'est que des bons moments, que des trucs absolument exceptionnels. Vous avez juste à regarder les barres de vie et ce qui se passe à l'écran, même si vous comprenez rien du tout. Nous serons là, nous commentateurs, pour vous faire passer le suppositoire avant d'aller vous coucher. Ne vous en faites pas. Et voilà, montrez votre intérêt pour les jeux de combat. Si jamais votre réactivité est très très bonne en ce week-end pour cette rediffusion de l'Evo, j'ai pas dit que ça se ferait, j'ai dit qu'on va essayer de le faire, ce serait tout simplement génial. Voilà, ça pourrait nous permettre de faire encore plus de grandes choses. Notez que cet appel et cette annonce est aussi un appel à tous les éventuels spécialistes de tous les jeux de combat qui sont présents à l'Evo. Les Smash Bros, les Injustice, les KOF, les Marvel, Smash les personnages. Injustice, KOF, Marvel. Si, bien entendu, vous êtes spécialiste de ce jeu-là et que vous voulez venir regarder en direct, ici, sur le plateau d'O-Gaming, et faire aussi du commentaire en direct, ce qui sera donc rediffusé un peu plus tard, n'hésitez pas à me contacter sur ma page fan Facebook ou sur mon site kenbogard.fr. On essaiera de mettre en place une grille de commentateurs. Et oui, bien sûr, ce n'est que de l'amour. Comme dirait MV. Voilà. Merci à toi, Nate, d'avoir été ici. Merci à vous d'avoir été patient. Je vous laisse avec l'émission que je sais vous attendez avec impatience. Memory Card, qui va vous présenter ce soir Deadpool, qui est un perso de jeu de combat, complètement. Marvel. Qui est dans Marvel vs Capcom. J'espère qu'ils vont jouer aussi à Marvel. Et je vous retrouve donc la semaine prochaine dans Meurs pas sans ton pif, juste avant les Vos, pour vous parler probablement de la Topanga Charity Cup qui a lieu ce week-end. S'il y a des VOD, s'il n'y a pas de VOD, on vous fera un point Evo important, point dans un Meurs pas sans ton pif, peut-être un peu plus réduit. Merci à tous d'avoir suivi cette émission et à la semaine prochaine. Place à Memory Card.